c'est une grotte ou c'est un bunker? Mais je sais pas. J'ai le seum de voter pour lui. Les deux là, ils sont trop dangereux, restez à deux tout le temps. Un remplaçant. Ce petit bruit de grison, je sais pas c'est quel insecte, mais oh, j'adore. Qui dit mercredi dit survivant RP, qui dit survivant RP dit survivre sur l'île, qui dit survivre sur l'île dit ne pas se faire éliminer. Ce soir c'est pour nous, on est là cette année où on ne l'est pas. Ce soir on sera pas éliminé dans le chat. Ça va les filles? Ça va et toi? Ça va ou quoi mes petites fillettes? Ça va et toi mon petit poulet sucre? Ah moi je vais trop bien. Alors les filles, là je suis passée chez Zarana un petit coup. J'ai pris un bikini forme 4-5-5-5. Vous avez des conseils? Vous en pensez quoi? Pense que tu devrais rentrer dans ta raie du cul. Oui. Ok, ça marche. Je vais aller chercher du bois. Alors, les amis, je pense qu'ils ont amélioré les taux de loot. Le problème, c'est que là, je peux mourir RP. Comment vous dire? C'est-à-dire si j'ai pas assez de bouffe. Donc déjà, on va voir, je suis au comment. Je suis en manque de santé. Je suis en manque de vitesse. Je suis en manque de bouffe. Je suis en manque d'eau. Je suis en manque de carrément tout, en fait. Oh, je suis pas en manger depuis le début de l'aventure. Ça va? Tu le mets dans le cul, le poisson, ou dans la bouche? Désolé. C'est trop bon, ça fait longtemps que j'avais pas mangé. Le corps mange, j'en peux plus. Je sais pas vous, mais regarde, Axel, il est mangé par les moustiques. Tu t'es fait défoncer, Axel, par les moustiques? Ah, mec, putain, c'est vrai. Tu t'es fait sucer, comment? Ah, mais au moins, t'as la chance, tu t'es fait sucer, hein. Au moins, tu t'es fait sucer, hein. Ah, Axel, au moins, tu t'es fait sucer, hein. Elle est où, l'eau? Ça va, Axel? Elle était pas mal, celle-là. Ah oui, putain, j'ai oublié, il avait du ping. Axel me fait plus rire sur la réaction que lui sur la blague. J'ai quelque chose pour vous, j'ai l'indice pour l'épreuve d'après, quand vous allez affronter les jaunes. Ok. Mais non. Ça va servir si vous voulez vous organiser. Ok, attendez, je le lis, les gars. Vas-y, Lila. Épreuve du jou, préparez-vous vous vraiment comme ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Une épreuve qui ne marque pas d'air. Qui ne manque pas d'air. Préparez-vous à une épreuve qui ne manque pas d'air. Bah les gars, c'est un truc où on pourra pas respirer. C'est sûr. Putain non, les gars, ça va être sous l'eau. Ah, j'ai compris, c'est sous l'eau, les gars. Ouais, c'est ça, c'est sous l'eau. Ils ont dit, il manque pas d'air. Bon, c'est pas qu'on a un truc contre vous, monsieur, mais là, on est en galère. On doit boire. On doit boire, on doit manger, donc on n'aura pas beaucoup de temps pour parler avec vous. C'est bon? T'as abrégé? Ah, donc t'as là, t'es en train de me dire de fermer ma gueule? Non, pas du tout, j'oserais pas. Non, mais dis-moi, est-ce que t'es sûr de ça là? Bon, ferme ta gueule. Ok. On verra plus tard. Non, j'ai rigolé, monsieur le présentateur. Je vous. Non, mais. Mais monsieur, depuis. Non, mais. Depuis que j'ai trouvé votre sac à dos, voilà, je me suis dit que je pouvais rigoler avec vous. Ok, c'est bien. La prochaine fois, je vais te faire aboyer. Après, je peux déjà aboyer maintenant. C'est que j'adore aboyer. C'est pas mal, un bon petit chihuahua. J'aime beaucoup. Bah écoute, tu peux retourner à tes occupations, tu m'as comblé. Yes. De bonheur. Au revoir. Bon, Fifi, viens là, faut qu'on aille chercher des pierres là, putain. Ah, attends, j'ai. C'est bien, t'as dégueulassé toute l'eau qu'on boit. Bien joué. Quoi, y'a un truc sous l'eau? Attends, quoi, tu te fous de ma gueule? Ah, mon rythme de souffle. Y'a vraiment un truc sous l'eau? Ouais, attends, tu vois pas que je suis en train de mourir à deux doigts là? Attends, je vais tester. Attends, un. Nous, on meurt. Enfin, quoi? J'ai trouvé un papier. Non, je parlais ça le prendre, t'étais devant. Eh, on est d'accord, ça reste entre nous. On s'est toujours dit l'alliance. On n'a pas oublié l'alliance, les gars. Ouais, mais avant de parler d'alliance, regarde ce que c'est quoi. Pont cassé, grotte. Depuis la grotte, allez au pont cassé, puis tournez-vous sur la gauche à 10 pas entre le buisson et l'arbre, à 30 pas tout droit, au pied des fleurs blanches, un château et son trésor. Quoi? Attends, tu rigoles. Attends, quoi? Quoi? J'avais ça dans l'eau. La tête de Wab, j'avais ça dans l'eau, les frères. Quelque chose, moi. Attends, non, les gars, faut qu'on y aille maintenant. C'est le One Piece, les frères, c'est le One Piece. Ok, donc les gars, faudra qu'on y aille à 3 et on garde le secret, ok? Je repasse encore, vas-y, retire un peu là. Ok, attends, je retire là-bas. Ok. Yeah.
Ok. C'est bon ? Nickel. Parfait les gars. Moi ce que je me dis c'est ouais voilà, analysons la journée et tout, et si vous voulez parler tout à l'heure, vous venez me voir et on fera pas. J'irai d'aller m'aider pour récolter des plantes. Ouais voilà, tu me dis ouais Inops, ouais Ousmane. L'acier inoxydable. Ouais, je parle. C'est inox du bateau. L'inox du bateau est exceptionnel. C'est qui a fait ce matériel ? Voilà, tu viendras me voir, on va chercher des plantes en inox. Ouais. Voilà. On va chercher des plantes. Oh le fail HRP de fou. Tu peux me regarder caméraman ? Voilà. Avis à tous les citoyens de la chaîne télé. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas. Alors, moi j'ai un compte Instagram. Vous savez, je livre des colis dans toute la France. Voilà. Moi mon compte Instagram c'est Ousmane UPS du 78. Abonnez-vous, je viendrai livrer vos colis en direct de chez vous les frères. Y a pas de souci. C'est avec plaisir, mais n'oubliez pas. Attention, abonnez-vous. C'est bon, tu peux cut, frérot. C'est dans la boîte. Wesh, tu parles ? C'est la première fois que tu parles ? Tu t'appelles comment ? Je peux pas dévoiler mes identités, malheureusement. Ok, tu t'aimes faire quoi dans la vie ? Au cinéma. Du coup, tu dors où, toi, pendant que tu filmes, là ? Vous avez pas un endroit où vous avez de la bouffe et tout ? Je ne peux rien divulguer, malheureusement. Je demande, hein. Pas comme si t'étais braqué sur moi avec ta caméra et que je pouvais rien dire de bizarre, quoi. Donc là, si je dis un mot, je peux te faire ban de la télé, là. T'es au courant, hein, de ce que t'es en train de faire, hein. Ah, j'ai un point de pression sur toi, mon ami. Je vois que tu te cheats dessus. T'as dit quoi ? Après un, il y a deux. Bon. Je le gagne, Vanille. Tout le monde. Wow. Il a pris une steak. Vous allez bien, les losers ? Pipi, là. Oh, de petites putes. Les couleurs pipi. Vous êtes mort aujourd'hui. Eh, hey, avant que l'épreuve commence, on va vous faire une piqûre de rappel. Je crois que vous avez pas compris la dernière fois. Ouais, c'est vrai, ça. What's the color? What's the color? I said what the color? C'est pas mal. Écoutez-moi maintenant, s'il vous plaît. Madame Anna Trouduc, elle fait partie de quel camp déjà ? Des jaunes. Anna Trouduc. Axel, il avait 10 000 de ping. Elle a des graves problèmes de santé suite à son aventure sur l'île. Elle va, elle doit nous quitter. Et du coup, je vous annonce son remplaçant officiel qui va venir tout de suite en hélico. Hein ? Il y a un remplaçant ? Comment ça ? Imaginez, c'est Hassan, il va nous détester. Ah oui, c'est clair. C'est quoi ça ? Bon, je suis très content de réintégrer le jeu. Les rouges, j'ai pas oublié ce que vous m'avez fait. Je vais rien dire pour le moment, je vais rester calme. Mais vous inquiétez pas, j'aurai de mes nouvelles. Ah, dis-le, Hassan. Ouais, c'est un nerveux, il va vous taper. Aïe, aïe, aïe. Il a voulu nous baiser, il a dit. Eh, eh, vous voulez que je vous dise un truc ? Il va se faire éliminer. Il va se faire éliminer ce soir. Vous allez déjà vous battre pour une récompense qui va vous être très utile. Le groupe qui gagnera cette épreuve rapportera avec lui dans son camp deux gourdes qu'il pourra utiliser. Ouh, ça, il nous le faut, les gars. Dans la source 2. Pour ceux qui l'ont deviné ou pas, ça va être une épreuve aquatique de nage. Il va falloir aller récupérer des rubis sous l'eau. Mon défaut, c'est que je suis nul en nage. Vous allez devoir désigner 6 personnes de vos camps qui vont participer à l'épreuve et que vous estimez légitime. Ok, moi je participe pas. Vous êtes d'accord ou pas, les gars ? J'ai 2 points de natation. On est d'accord, je participe pas. Chacun des 6 aura 2 minutes pour récupérer le maximum de joyaux. Il aurait pu en prendre plusieurs d'un coup, non ? Ouais, vous pouvez pas en prendre plus ? Il a rapporté. Bien, wesh ! Voilà, let's go ! Il en avait 5, putain, il en a trouvé 5 ! Mais wesh, il est chaud ! 19, focus. Focus dans le chat, focus. Allez, Kara, allez Kara. Putain, elle est sous le truc, là. Elle est bloquée. Kara, tu vas pas nous faire ça. Kara, tu... Ok, bien joué, Kara. J'y vais direct ou pas? J'ai 2. Non. J'ai oublié qu'il fallait remonter. J'ai oublié qu'il y avait de l'apnée. Oh là là. Mais non. J'ai oublié que c'était remonté, putain. Mais c'est éliminé, il a des rubis. Je vais faire genre, je repars. Faut au moins que j'en pose 2 pour mettre égalité. Je vais pas prendre de risque, je vais en poser 2. Et top départ dans 30 secondes. Ok.
20 secondes, 20 secondes. Ousmane, combien de rouges? Allez, Ous, allez. Au moins j'en mets deux. GG les gars, GG. On les a déposés au moins. Au moins on a pas servi à rien. On a égalisé. C'est fini. En vrai, il a triché. Il a mis au mauvais moment le mec en face. Deux, j'en ai déposé. On était sur zéro défaite. Sur vos oui, mais... sur le présentateur, il est acheté. Au jaune. Attends, mais on gagne les deux bourdes avec. Donc y'a pas de part là, y'a pas de part. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, c'est pas comme ça. Écoutez-moi bien, j'attendais qu'on soit tous réunis pour vous le dire. Il se trouve que pendant que j'étais en train de chercher des ressources, j'ai trouvé un parchemin pirate. Ouais. Oh, le parchemin pirate, il y avait plusieurs explications. Une explication qui indiquait éventuellement l'endroit où il y aurait des ananas près du point d'eau, mais surtout le fait que des fleurs qu'on pouvait récupérer pouvaient soit soigner, soit tuer. Et c'est un peu écrit en mode énigme. Et d'après ce que je comprends de l'énigme, les fleurs rouges tueraient alors que les fleurs bleues nous soigneraient. J'ai moi également trouvé une page de ce journal, mais plus loin, genre vers les jours 20. Bah, attendez, mais vous dites tout ça maintenant, bah, allez-y, vous dites maintenant, il fallait le dire avant. Parce que j'en ai parlé, j'ai trouvé avant d'aller à l'épreuve. Jour 20, j'ai été mordu par un serpent dans la jungle. Il est impossible de les distinguer dans la flore, mais nous pouvons les entendre, nous entourer. Si quelqu'un me lit un jour, si vous les entendez, faites demi-tour et revenez avec un antipoison. Le professeur est parti à la recherche d'une plante curative, mais je ne sais s'il arrivera à temps. Je sens la fièvre monter et le simple fait d'écrire dans ce journal m'épuise. Faut que je me tire avec Fifi, chercher le coffre. À grosse goutte et je sens mes pieds s'engourdir. Moi, je vais me tirer, les gars. Jour 21. Le professeur. On doit attendre la fin de la nuit pour se tirer ou pas? Et la fièvre me fait délirer. J'ai cru voir un portail à l'horizon, vers le nord, mais ça ne peut être réel. Nous l'aurions vu bien avant. Jour 22, il est enfin rentré. Il m'a fait boire une sorte d'infâme mixture violette. La fièvre est enfin retombée. Je retrouve rapidement mes esprits. J'ai parlé du portail et il m'affirme qu'il n'a rien vu dans la direction que je lui ai indiquée. Ce serait violet, il faut des fleurs violettes. Non, violette, c'est pour la morsure de serpent. Il y a une enveloppe sous l'eau. T'as pu la prendre? Attends, j'y vais. On lui dit ou pas? Je pense que c'est un bon élément. Ouais, je pense que c'est le bon élément. Très intelligent. Vas-y. Venez, on a la rendre dans l'alliance, comme ça on a une marque en plus. Ouais, pas con. On lui dit, la galère pour aller chercher l'enveloppe alors qu'on l'a déjà. On lui dit, bon, on va t'avouer. Attendez comme ça. Oh, le plan Tarantino, préparez-vous, ça va être incroyable. Elle est en train de se noyer alors qu'on attaque. On a le truc et on la regarde et personne lui dit rien. Alpha, nana. Alva, t'as trouvé la carte? Tu l'as eu ou pas? C'est déjà pris. Oh non. Oh non. Ouais. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. C'est toi qui l'as eu. Eh oui. Regarde-moi dans les yeux. Ça te fait de marrer de me voir me geler le cul sous l'eau alors que t'as déjà eu quelque chose et que je peux choper la crème? Ça nous fait marrer à tous. Hein. Ah oui, à tous. Ça nous a tous fait marrer. Vous êtes méchants. Bon, Nana, tu nous suis ou pas? Ouais, je vous suis. Écoute, on peut pas le dire à beaucoup de gens parce que on va devoir se le partager à quatre. Mais il y a un trésor et c'est la carte au trésor. Et c'est celle qui était dans l'eau. D'accord. Où t'as mis ton corps sale dans l'eau en bas. Son corps sale, comment ça, son magnifique corps? Je dirais pas sale. Ouais, j'ai... Attends. Désolé. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors... Wesh. Alors, t'es pas obligé? T'es pas obligé? Qu'est-ce qui se passe là? Ça va, Nana? Ça va, je me séchais. J'ai extrêmement froid. Bon, écoutez-moi. Eh, hey, go au pont! Oui, il est là-bas. C'est par là-bas. Cette info du trésor, faut vraiment pas que ça s'ébruite. Hein. Non, sans blague, jure! Mais putain, t'as de la caboche, toi! Putain, il caille sa mère. Attends! Quoi? Vous entendez? Ici! Ah, oh, je l'ai vu tout à l'heure, l'enveloppe est vide. Oh. C'est vide? Non, j'ai un truc, les gars. Putain, mais mec, il y a un pavé, gros. Jour 7 et 8. Tu sais pas lire, toi, en plus, c'est chiant. J'espère que monsieur 2 n'est pas encore trépassé. Je crois avoir trouvé une plante décrite dans mon ouvrage qui apparaît des vertus contre les crises de vomissement. Hein, reste à savoir comment. Oh, ok, putain, on s'en bat les couilles, on lira après. Venez, on trace. On y va, go. Ok, parfait, on se met tous en face du pont. Depuis la grotte, allez au pont cassé, puis tournez-vous sur la gauche. À 10 pas entre le buisson et l'arbre. Il est où? À 10 pas entre le buisson et l'arbre. 1, 2, 3, 9, 10. À 10 pas entre le buisson et l'arbre. À 30 pas tout droit. Attends. Parce que pourquoi il me dit tout droit là? On est allé dans le mauvais sens. Il me dit non, buisson et arbre. Allez. C'est tout droit? 30 pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, ça doit être dans les arbres. Au pied des fleurs blanches. Vous voyez des fleurs blanches, vous? Là-bas. Oui, derrière.
Derrière, il y avait des fleurs blanches. En face, mais il y en a plein. C'est plus par rapport au pas, là. Un château et son trésor. Pour regarder dans les fleurs blanches. One eternity later. C'est si mal. Fifi, c'est moi ou tu vois le truc en face que je vois? Il y a un truc devant, ouais. Il y a un abri ou? Il y a un Attends, c'est quoi ce... Attends. Attends, c'est... Attends, c'est... C'est la piqûre de l'abeille ou... Je crois qu'on hallucine. Attends, non, non, on hallucine. Il y a pas un abri, là. C'est une hallucination collective. C'est quoi ce bordel? Je pense que je commence ça tout doucement délirer. Attends. Oh, ah putain, j'ai pas la force de voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, sa mère. Il y a forcément un truc ici. Ok. Oh non. Attends les gars, on a trouvé un truc de fou, on s'est fait TP. C'était quoi qu'il y avait les gars? Oh non, faudra qu'on y retourne, faudra qu'on y retrouve. Alors, au début du parcours, il y aura des obstacles, hein, va falloir les éviter. Okay. Après, vous allez avoir une petite partie d'escalade, ensuite une partie d'équilibre. D'où le fait que vous avez les poutres pour vous échauffer, pour vous entraîner, prendre un peu la main. Voilà, pensez, voilà, pour vous équilibrer, quoi. Et après, il y aura des murs à casser. Je prends l'immunité. Attention, il y a des pièges, je vous préviens. Et ensuite, il y aura une partie aquatique, donc il faudra nager sous l'eau. Non. Ce sera tout. Et rejoindre la ligne d'arrivée. Ouais. Le premier qui arrive à la plateforme jaune gagne l'étoile d'invincibilité, c'est compris? Quel meilleur gars! Le dernier, c'est une salope! Je vais péter un câble. Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait plonger. Mec, on s'est fait capturer. Mais mec, je comprends pas! Mais wesh, c'est tellement dur! Et en plus, je suis bugué moi dans l'eau. Dans l'eau, je sais pas jouer dans l'eau sur GTA. Voilà, je suis bloqué, je sais pas comment on descend. Mais putain, comment on retourne dans l'eau? Comment on plonge? Mais c'est comment pas, on plonge pas. Plonge! J'appuie sur espace! Plonge! J'appuie sur main, j'appuie sur S, j'appuie sur tous les boutons, putain! Plonge! Ah, l'immunité! Putain! Non! Je la voulais, putain! C'est trop, je suis sur trop. Ok, c'est pas terminé! Axel n'a pas fini le parcours! Des flammes dans le chat! On va come back! Mais putain! Pourquoi il sort? Personne qui arrivait. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille! Je vous laisse me reposer un peu, oui! Ramenez-moi celui-là, s'il vous plaît, à la plage! Ok, bon, je vous lis la carte, les gars. J'espère que Monsieur 2 n'est pas encore trépassé. Je crois avoir trouvé une plante décrite dans mon ouvrage et qui aurait des vertus contre les crises de vomissement. Reste à savoir comment les rendre comestibles. Loin de me presser, je profite de mon expédition pour me renseigner sur l'île. Depuis les hauteurs, je peux apercevoir une rivière traversant l'île. L'autre côté a l'air plus sauvage. J'ai fait comme le professeur et j'ai mélangé des plantes ensemble sans trop savoir ce que je faisais. Mais cela semble faire effet, voilà le professeur déjà en forme. Pendant mon expédition, j'ai remarqué que l'île possédait une forme à l'allure fort étrangère, une flore. Je pense que les choses se sont mélangées et j'en fais part au professeur 2. Il veut vite repartir en expédition pour étudier cette végétation. Je profite de ce moment calme pour essayer la pêche. Bon, il nous a rien appris le frérot là. Et il a pas dit qu'elle allait mélanger parce que en fait, faut mélanger des plantes, c'est déjà un ouais. Ça veut dire que Victorine, elle a une plante mélangée. Oui, okay. Juste par contre, j'ai encore trouvé moi un autre papier qui était assez intéressant, je vais vous le lire. Ah bah oui. Tout à l'heure j'ai les jours 23 et 25. Alors notre campement dans la jungle est bien plus rudimentaire, mais à part quelques insectes, nous sommes à l'abri. Les recherches vont pouvoir bientôt reprendre. Nous avons trouvé dans la jungle des fragments de bas-reliefs très anciens. Ils ressemblent fortement à ceux que nous avions découverts l'année passée. Je ne sais pas si c'est de la chance ou si nous sommes aidés, mais je ressens comme une présence qui nous observe. Ah pardon. J'ai la grotte, nique sa mère. Nous avons trouvé une grotte contenant une étrange statue. Nous y avons déménagé notre campement. Attends, faut que
J'ai repéré des traces d'ossements de rougeurs et de sang séché au pied de la statue. Parle de la grotte. Peut-être un ancien lieu de sacrifice. Et où la grotte ? Ce n'est pas vraiment rassurant. Nous avons croisé une colonie de gigantesques fourmis dans le chemin. Oh. Nous avons préféré les contourner. Deux a néanmoins réussi à en capturer une qui doit bien faire 2 cm. Il suspecte que ces fourmis soient plus venimeuses que d'apparence. Deux a commencé la rédaction d'un carnet, mais il refuse à m'en dévoiler le contenu. J'ai vraiment très peur quand le je lis ça. Il y a du sang sur ma page. J'ai une idée. Pour que tout le monde vote pas pour moi, faut que je sois utile. Donc je vais faire genre que je sais où... Oh, attendez! Je pense savoir où est la grotte, je l'avais vue de loin, mais je suis pas sûr. Mais je peux peut-être vous y amener. Ok, go, venez, venez! Je leur donne pas le trésor, c'est pas le trésor que je vais leur donner, c'est juste la grotte. Je sais où elle est, moi. J'ai la carte de la grotte. Oh! Les gars, c'est ça? C'est ça, non? Ah ouais, c'est ici! C'est ça? J'ai trouvé, les gars, j'ai trouvé! Mais c'est une grotte ou c'est un bunker? Mais je sais pas! Je crois pas que c'est la grotte, je crois pas que c'est la grotte. Oui, mais attendez, au cas où que ce soit pas une grotte, c'est quand même super chelou qu'il y a un bunker sur l'île. Ouais, il y a un putain bunker. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais les gars, je pense pas que c'est la grotte, je pense pas que c'est ça. Faut continuer de chercher, c'est dans ce secteur la grotte. J'ai un truc! Oh oui, il y a une Ok, je vous lis. Waouh! Ça va les gars? Ça va Axel? Putain! Putain! Putain merde! Faut remonter, venez! Journal du jour 26, putain. Nous devons abandonner le camp d'urgence. Qu'avons-nous fait? Nous avons condamné cette île. Il y a des écritures trop bizarres. Ouais. Cette île est vraiment déroutante. Nous avons beau la cartographier, chaque matin semble se lever dans une direction différente. Je commence à concevoir un moyen pour apercevoir le portail. Mes visions n'en étaient pas. Il faut réunir les conditions pour le faire apparaître. On a bien réussi à ouvrir le portail, mais nul n'aurait pu prévoir les terribles conséquences de nos actes sur ce monde. Je m'amusais à jeter mes déchets alimentaires au pied de la statue. Chaque chose étrange depuis que je le fais, car la tempête s'est arrêtée. Deux me parle au hasard d'événements, mais je sais. Ok, faut trouver la putain de grotte et la statue. Et faut jeter des trucs sur la statue, les gars. Et peut-être ça va ouvrir un portail. Je vous jure, il y a écrit qu'ils ont ouvert un portail. Je vais vous dire un truc important. Quoi? Le système de vote, il a changé. Vous devez aller sur votre plage. Il y a une sorte d'urne. Et c'est là-bas que vous devez voter avant que c'est l'heure des votes. En vrai, les gars, faut se mettre d'accord sur quelqu'un de toute façon. Hein. Sinon, c'est nous qui allons sauter. En vrai, si on est quatre à se mettre d'accord sur quelqu'un, ça nous sauve notre peau, je pense. Hein. Oui, vraiment. Parce que en vrai, ça nous sauve vraiment notre peau. Si vous voulez ce soir pas sauter, un de vous qui est entre nous, on vote tous. Vous dites un nom maintenant, on vote tous le même. Si on doit éliminer quelqu'un qui fait le moins de choses sur le camp, bah c'est Pierre. Bon, bah go Pierre. Et vous avez voté qui vous? Globalement, ça a voté pour Philippe. Pour Philippe? Oui, pour Philippe. Vous avez voté Fifi? Ouais. Non, putain. Non, vous avez pas voté Fifi. Pourquoi? Bah, apparemment parce qu'il s'est fait. Aujourd'hui, s'est fait attaquer par un ours, etc. Mais j'étais là, je l'ai vu. Mais le problème, c'est que si c'est la majorité, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Oh non, ils ont voté Fifi, ça craint. Oh non. C'est mort, Fifi va sauter. Est-ce que tu as utilisé des préservatifs? Frérot, tu veux que je te dise la vérité? La seule fois où j'ai mis un préservatif, et bah il flottait, genre. Attends, mais on est RP ou pas là? Comment ça, on est RP, ça veut dire? Ah, on est OP, c'est ça que on est OP! Bon, c'est l'heure du vote. Alors, on va commencer, messieurs, est-ce que tout va bien pour vous tous? Oui. Vous aviez quelqu'un en tête ou vous pensez que c'est vous qui allez sortir ce soir? Pour tout vous dire, j'aimerais utiliser quelque chose, monsieur Mathieu, si vous me l'autorisez. Vous aimeriez utiliser quelque chose? Vous aimeriez utiliser quoi? J'aimerais utiliser cette étoile, s'il vous plaît. Diminuité. Il sort ça d'où? Je vais prendre la parole, monsieur le présentateur. Je sais pas ce que vous racontez, monsieur, allez vous asseoir. J'ai décidé de lui donner mon étoile. C'est pas dans les règles. Merci de récupérer l'étoile, monsieur le chauffe. Plus personne n'a non. Ah, les règles sont les règles. C'est pas plus que ça, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, celui-là? Il croit dans lui. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça va sentir très mauvais pour lui. Pourquoi vous lui avez donné cette étoile? Il était sur la sellette, vous comptiez voter contre lui? Parce que justement, comme il était sur la sellette et qu'il est ultra utile au camp, qui nous fait survivre depuis 2 jours, je me suis dit que je pouvais me permettre de lui offrir ce service. C'est mignon. Ok, bah tu rendras des services plus tard. Monsieur Ousmane, vous faites des expéditions à répétition. J'ai l'impression que le camp a concocté des choses dans votre dos. Est-ce que vous vous sentez en danger? Moi, je me sens chaque soir en danger, quoi qu'il arrive. Maintenant, je pense que je suis utile au camp. J'essaye d'apporter des informations sur ce style et j'en ai apporté pas mal ces derniers temps. Après, je pense que tout le monde apporte sa patte. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va devoir sauter. Peut-être ça sera moi, peut-être ça sera quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai des bonnes clés pour trouver la solution de cette île et les mystères qui en découlent. Ok, très bien. Ok, on va déballer le vote des rouges. Premier vote, monsieur Filou. Cinquième vote, monsieur Filou. Ça, oh, putain. C'est pas moi.
Dixième vote, Monsieur Ousmane. Cinq votes, Filou, Asmat Ousmane. Il mérite pas. Monsieur Pierre, un vote. Pierre, un vote. Ousmane, un vote. Six votes pour Monsieur Filou. Et toujours pas moi. Non, toujours pas. Monsieur Pierre, cinq votes. Oh putain. Cinq votes pour Monsieur Pierre. Oh putain de merde! Il n'y a plus de votes, ça fait 4 votes pour Monsieur Pierre. On n'est pas 6 votes pour Monsieur Philou. On est pas autant dans le camp. 1 vote pour Monsieur Ousmane. Oui, oui, mais... Monsieur Philou, veuillez prendre votre torche, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message à passer ici à tout le monde, que ce soit au jaune ou au rouge? Oui, j'aimerais remercier tout le monde pour cette aventure. D'affronter des ours, la faim, le froid. Et je regrette quand même l'hypocrisie de cette lever. Équipe. J'aimerais aussi remercier mes enfants et surtout ma femme qui, pour elle, je fais cette aventure. Et bah force à ta femme décédée, tu pourras rentrer chez toi et raconter à tes enfants toute cette aventure. Merci. Merci. Je suis fier de ce que j'ai accompli pour l'instant. En tout cas, merci. Salut, mon ref. Hey, je la gagne pour toi, je te jure. Gagne pour moi, gagne, ok. Ah, tu parles à moi, Nana, ou... Tout à l'heure. Bah ouais, je sais. Dis-moi. Là, sache que t'es vraiment sur la sellette, vraiment. Ok. Il faut que t'arrêtes de. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'absenter quand il y a les votes, en fait. Nana, c'est Mago. Vous savez, la fleur bleue ou violette, là, dont on parlait les lettres. Ouais. J'en ai trouvé, j'en ai ramené au camp. Et j'ai potentiellement trouvé la fameuse baleine. Ok. Échouée. Mais je suis pas sûre, il faudrait qu'on aille en expédition plus tard. Incroyable, en tout cas. Moi, je t'avoue que ça me surprend un peu, parce que tu m'as dit au début qu'on était ensemble. Ouais, mais Pierre. Ouais, vas-y. Je t'ai dit, on était ensemble, on était une alliance de quatre. Il y avait Fifi dedans. T'avais montré à Fifi, je t'avais dit Fifi avec non, nous. Non, tu m'avais pas dit Philippe. Frère, il y avait Hassan, il y avait Philippe et il y avait Axel. T'es les quatre qu'il fallait pas voter. Du coup, moi, m'avais pas dit si. Gauche, tu t'avais dit qu'on était en alliance de quatre. Je t'avais présenté à Hassan, Philippe et Axel. On est allé marcher dans la forêt même. Et même, on s'était mis d'accord pour voter Patoche le premier jour. Ouais, parce que quand t'étais parti avec Richard et Jacques. On avait parlé de toi, moi. Ah Richard ouais, c'est vrai. Donc moi, dans ma tête, l'alliance, c'était ça avec Hassan et Hassan. Il s'est fait éliminer. Moi, j'ai pas voté Hassan. Ah ouais, comme tu m'avais dit. En fait, je t'avais pas présenté Philippe. Bah non, jamais. Moi, non, mais c'est ma faute. Mais en fait, je pensais, du coup, bah je me suis dit, tu m'as trahi. Non, bah, et j'ai voté toi. Grave, et ça... moi, je me suis dit aussi, tu m'as trahi un petit peu. Mais après, t'inquiète, en tout cas, je suis pas rancunier. Sache que moi, justement, je t'ai défendu. Ils voulaient tous voter pour toi. Après, tu m'as défendu ouais, bah en vrai, ouais. Je pense que t'étais mort hein, si j'étais pas là. Pour être transparent. Il est intelligent, mais il a joué voilà, bien. Il ment. Bien sûr qu'il ment, je sais. C'est que des quiproquos, en fait. Parce que moi, j'étais persuadé que t'avais fait équipe avec moi. Et en fait, je t'avais même montré Axel. On était ici, mec. Il y avait Axel. Oui, Axel. Voilà. Axel, oui. Et il y avait Axel, Fifi au loin. Je t'ai dit, il y a Fifi avec nous. Fifi, non, t'es pas là. Non, mais c'est pas grave. Ah, oublie. Okay. On s'est mal entendu. Maintenant, je t'explique. Moi, c'est complètement teubé de vouloir voter pour moi, parce que peut-être que je suis pas souvent là, mais j'apprends des trucs sur l'île, ok moi, ça veut dire. Pas voter pour toi parce que je te fais confiance. Frérot, fais-moi confiance. Là, tu m'as mis une petite balle. Frérot, et on passe je t'ai mis une balle parce que bah mec, je pensais que j'allais sauter. Tout le monde m'a dit ouais, tu vas sauter ou c'est toi ou Fifi. Donc moi, fallait que je mette un mec. En tout cas, je suis ton allié et sache que je t'ai sauvé. Mon sacrée frère, soirée encore une fois. Hein. Sacrée soirée de fou, je t'en veux pas du tout d'avoir voté pour moi, y'a pas de soucis frère. Mais je le sais, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait. Mec, moi, t'inquiète, mais je sais que j'allais sauter, je sais que j'étais pas loin. Moi regarde, non, parce que j'étais le seul. En fait, moi ce que je voulais faire, Ous, c'était important pour le clan. Pour l'instant, on a l'air d'être face à face, mais je suis sûr qu'on peut être ensemble. Et ce que je te propose, c'est que tu vois, on a quand même malgré tout des petits groupes via les votes. Si tu nous rejoins, on est assuré d'aller en réunification. Les deux seuls qui font des allers-retours entre les deux groupes, et vous me dites si je me trompe, c'est pas une proposition, mais c'est un avis que j'ai, c'est les deux, on dirait des frères là, comment ils s'appellent? Frérot, écoute-moi bien, eux, c'est les plus dangereux, voilà, je vous le dis. On est d'accord, ouais, je suis d'accord. Merci. Voilà, pour moi, écoutez-moi bien, pour moi, quoi épreuve, vous en tais un des deux demain, parce que eux, ils sont trop dangereux, ils font des girouettes, et c'est deux votes tout le temps pour la même personne. Je vais dire quelque chose de très honnête, et j'espère que tu le prendras pas mal, ok? Non, vas-y, dis-moi. T'es intelligent, t'es stratège quand il le faut, t'es quelqu'un qui se bouge pour le camp, sauf que tu le fais d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que t'es toujours vadrouille et les gens ne voient pas ce que tu fais tant qu'ils ne traînent pas avec toi. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est pour ça. T'es une cible facile, tu vois. Alors que moi, je sais, parce que je t'ai vu, je sais que tu te donnes, etc. Mais je pense que là, à l'heure actuelle, il va falloir réellement qu'on caisse ce groupe qui est en train de se créer de deux personnes et qu'on s'allie avec les bonnes personnes. Et bah alors, écoutez-moi bien maintenant. Vous deux, si je peux vous faire confiance, 1, 2, 3. Axel, ça fait 4. Pierre, on est plus. Non, mais Pierre, il vient. Pierre, c'est facile, il nous suivra. C'est-à-dire qu'on
est déjà 5 et on est 10 là. Il reste 10 personnes. Patoche, il me suivra. On l'a sauvé le premier jour. Patoche, il te suivra. Voilà, on est 6. Victorine, sache une chose, c'est que Patoche, avant tout, je sais que moi, il me fait 100% confiance parce que on est beaucoup ensemble. Et bah voilà. Et bah on est 6. Mais c'est ce qu'on te dit, ou c'est pour ça que tu dois. Faut qu'on s'aligne ensemble. Et bah moi, c'est bon. On se le dise, là, on se regarde tous dans les yeux comme des hommes et femmes et qu'on dit demain. Demain, je vote un des deux. C'est un des deux frères. Voilà, je suis d'accord. Imagine à la Attends, je juste finis ça et je te laisse. À la réunification, avoir un duo, c'est hyper dangereux. Ah, mais c'est trop dangereux. Que pour une personne, d'autres peuvent prendre l'avantage de. Moi, je suis d'accord. En fait, t'as raison, Nana. En fait, je suis trop en vadrouille, mais c'est pour le bien de l'équipe. Mais bon, les gens comprennent pas, je peux comprendre aussi, tu vois. Ils peuvent se dire que je branle rien. Je peux m'écarter si vous voulez. Ouais, non, tu peux venir, Pierre. Hein, tu peux venir. Non, mais vas-y. Moi, de toute façon, on a fini quasiment. Mm. Mais dans tous les cas, c'est les trois à avoir en tête. Voilà, on reste sur ça. Ah, bonne nuit, les frères. Viens, on va se sustenter. On va se sucer, t'as dit quoi? On va se sustenter, pas ah, se sucer. Ah, ok. Putain, j'ai des problèmes. Ah ouais. Tu sais, quand je dors comme ça pendant un long moment, et bah, j'ai des problèmes d'audition. Tu vois, là, j'ai entendu, on va se sucer. Genre, j'étais en mode bizarre un peu. Mais bon, c'est pas ce que je pensais du coup. Commence à prendre la douche avec toi. Bah, ça dépend, tu me frottes le dos ou pas. Ah, y aura pas que le dos hein, que je vais frotter, hein. J'ai presque envie de me noyer. Quand salut, je dis que salut. Je me sens mal. Oh, comment ça va? Bien ou quoi? Bah, vous allez bien? Ça va, ça non, va, monsieur le présentateur? Arrive, ça allait, ouais. Ouais, j'ai trop la dalle. Hein, j'ai trop la dalle, Nana. Ouaf, ouaf, j'ai trop la dalle. Ça fait un jour que j'ai pas récupéré. Oh! Wesh, gros! Mais t'es un malade, toi! Pas les mecs! D'accord, c'est comme ça. Putain, alors, attends, le présentateur a frappé une femme. Il m'a tapé. Non, on va cancel cette émission. Et décalez-vous sur la gauche à 10 pas entre le buisson et l'arbre. Là, je suis derrière le pont. Le buisson et l'arbre, c'est ça. Putain, oui, c'est ça en fait, je pense. Et là, c'est 10 pas. 9, 10. 10 pas entre le buisson et l'arbre. À 30 pas tout droit. 4, 25, 28, 29. Oh, y'a le château. La putain de sa mère. Lampe torche, gourde, oh putain de sa mère! Oh, Stagen Knight, Stagen Knight! Oh, Stagen Knight! Pierre! T'as trouvé un truc? Non, j'ai trouvé une fleur, enfin une feuille, tu vois. Incroyable, frère, j'ai trouvé un truc de fou, gros! Non, jure. Théma, la dinguerie, frère. Mec, lampe torche, j'ai trouvé une putain de lampe torche. C'est incroyable. Nana, on a trouvé une folie. Regarde ce que j'ai dans la main. Elle est énorme, ta lampe torche. Ah ouais, j'ai une grosse lampe torche, Nana. Très belle lampe torche. Wow. Ouais. Ok, ça c'est cool par contre. Le problème, c'est que je cours plus vite que vous. Regarde comment je te trace, wesh. Pareil, c'est pour ça qu'il faut que moi je trottine. Comme ça, on est moins fatigué après. Ouais, mais je suis un hyperactif, moi. Un putain d'hyperactif. Je veux aller vite, moi. Tout le temps vite. Le problème, c'est que ça finit trop vite, souvent. Je vois, il y a que la vitesse qui t'intéresse, mon gars. Regardez ce que j'ai trouvé. Voilà pourquoi j'étais absent tout ce temps. C'est quoi, c'est bon. Attendez, faut rappeler. Voilà pourquoi j'étais absent tout ce temps. Je l'ai enfin trouvé, putain. Elle est très belle. Les gars, j'ai trouvé une gourde et une lampe torche. Oh, mais c'est... Attends, c'est alors que les autres, ils sont fichés à la gagner. Nous, on l'a trouvé. Eh ouais, nous, on l'a trouvé. On n'a pas besoin de la gagner, mon frère. Oh, bien joué. Bon, écoutez-moi, je vous lis l'histoire. Cette île est passionnante. J'ai aidé le professeur 2 à consigner les espèces inconnues que nous avons trouvées. Certaines plantes semblent être décrites dans mon ouvrage, mais elles sont censées avoir disparu depuis le temps des premiers déluges. Ces découvertes nous permettront de publier un ouvrage qui sera certainement d'un grand retentissement dans le milieu. PS sera très heureux de s'équiper. Deux semblent inquiets. Je connais son instinct d'aventure et n'ose imaginer les raisons de son inquiétude. Il se refuse à m'en expliquer les causes. Nous avons essayé de passer de l'autre côté de la rivière, mais elle est gorgée de requins et de piranhas. J'ai failli y laisser une chaussure ainsi que son contenu. Et j'ai dû abandonner une édition originale du livre des splendeurs à mes voraces assaillants. Ok, donc vaut mieux pas aller dans l'eau près du pont, du coup. Monsieur de s'attelle à la construction d'un pont pour rejoindre l'autre partie de l'île. Incroyable. Les ananas que nous mangeons semblent être une variante de la bromélia ananas profitera, mais bien plus rustique, voire primitive. Et... C'est peut-être une île préhistorique. Mais ça nous explique comment on monte le pont là. Et le pont? Bah, on peut le reconstruire, mais comment? C'est ça la question. Ah, mais ça, on sait depuis avant-hier qu'on peut le construire. Je te cache pas que je suis un peu déçu par l'histoire. Hein. Ça pue sa mère. Ouais. Monsieur le présentateur, on a un problème. Oui, dites-moi. On est tous en train de crever la dalle et nos allumettes se sont envolées avec le vent. Ouais, mais il s'en fout, je pense. T'as plus dit. Remarque, j'avoue.
J'avoue. Je sais pas pourquoi tu lui racontes ta vie, mais il s'en va les couilles. Oh, votre banane est énorme. Oh, la banane est énorme. C'est la plus grosse banane que j'ai pu voir de ma vie. Ah, moi, j'ai jamais vu une banane aussi grosse que ça. Elle a l'air succulente. Vous la gobez bien, dis donc. Quelque chose quand même. Ah ouais, mais là... N'hésitez pas à prendre de plus grosses bouchées. Mais là, tu la manges pas, là. Tu fais un autre truc que manger, mais je crois que elle t'as... Elle est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est... Sur les bateaux, elle est infinie, celle-là. Ah ouais, il veut bien, là. Ah ouais, il est lent, Yves Solé. Il veut pas la finir. Bonjour, putain, monsieur Mathieu. Premièrement, il y a une nouvelle production. En tout cas, la production d'origine a été rachetée. Quoi? Papa a racheté la production. On a été très déçus de la façon dont elle a été éliminée. Et on a décidé que... Ta gueule, Clark, je suis en train de parler. Eh ben moi aussi j'ai le droit de parler. Ah mais c'est moi qui parle, on a dit que quand je parlais tu parlais pas. Fermez vos grands-mères. Moi j'ai le droit de parler aussi un peu. Vous êtes des candidats éliminés, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Non, on est plus des candidats, monsieur Mathieu. On est les producteurs de l'émission. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'émission a décidé de prendre un nouveau tournant. Je m'adresse aux candidats. Vous avez voulu participer à une émission de télé-réalité pour devenir des stars, pour devenir connus dans le monde. Pas forcément. Pour la thunasse aussi. Alors, nous avons décidé de changer un petit peu l'axe de l'émission. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh Mali, ça, monsieur là, Mathieu, caméraman, venez, on y va là et on a des. Ils viendront pas. Nous, on les paye, contrairement à vous. Nous, on leur donne à bouffer. Nous, on les héberge dans un hôtel. Ouf. Nous, on leur donne des droits et on leur parle cordialement. Ouf. Ah ouais. Alors, comme je disais, monsieur Mathieu, vous êtes un peu leur pute. L'émission va prendre un nouveau tournant. Je vais régler ça. Mathieu, on a une plage chez les Rouges. Comme je disais, l'émission va prendre un nouveau tournant. Il s'agit plus de télévision. Maintenant, l'émission va être diffusée en direct sur le Darknet, à destination de quelques milliardaires qui sont capables de payer plusieurs millions pour assister à cette émission de chez eux. Sachez que tous les candidats à la sortie de l'épreuve seront soutenus financièrement pour tous leurs projets. Et maintenant, il s'agit d'une autre chose. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Mathieu? Moi, vous avez été nul, Alex, Axel, qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose à Mathieu pour commencer. Il a laissé tout frais là. Et ensuite, j'avais une idée, pourquoi pas lui faire participer avec nous pour qu'il subisse, qu'il nous fait subir. Nous, on voudrait l'accueillir chez les Rouges. Amine, il vient dans notre équipe? Comme vous pouvez le constater, il va s'agir d'une bataille navale. Bataille d'anal? Vous allez désigner 8 personnes par équipe. Ta gueule, qui vont participer à cette bataille navale. Positionnez sur les plateformes. Vous allez bien vous positionner au milieu. Vous allez aussi désigner un capitaine par équipe. Le capitaine sera chargé de positionner les bateaux et de tirer sur les bateaux. Le capitaine devra bien être au milieu pour être sûr de bien être entendu par tout le monde. Quoi gagner? Vous aurez le droit à 2 constructions de votre choix sur votre base, construite par la production. Oh. Un club de striptease. Choisissez bien ce que vous voulez construire. Allez vous réunir, vous avez 5 minutes. Stratégie. Moi je pense que Pierre ça pourrait être le bon chef. Qui connaît la bataille navale? Moi j'ai théoricraft un peu le jeu. Vas-y, t'es capitaine. Ok, bah on te note capitaine si tu connais. Ne déçois pas mec, t'es capitaine, c'est trop tard mec. J'ai pas le choix, il me dit dégager. Ah, victime maintenant avec nous. Les gars, je vous ai toujours kiffé, moi j'ai jamais... Ouais, c'est ça. Ok, alors, grosso modo, je pense que l'endroit où les gens aiment bien tirer, c'est en B2 et en C3. Et personnellement, je serais bien chaud de tirer là-bas, si ça vous va. Vous voyez mon curseur ou pas? T'en mets en B10. Oui, on voit ce que tu fais, on voit. Si tu mets 10, ce serait parfait. Vas-y, bah go, Pierre, prends tes couilles là. Place ces putains de bateaux, frère, et viens, on monte dessus là. Il a raison. Moi, je suis à 8. Moi, je suis à 8, les gars, je prends à 8. Axel, j'ai pris à 8. Ok, monsieur Dembélé. Vous commencez à me gonfler, bande de fils de pute. Arrêtez de m'imiter. Je commence à m'énerver, j'ai rien, mais ça suffit pas. Alors, ça, c'est leur plateau à eux. Okay. Donc là, on voit pas leur bateau. Là, c'est nos bateaux. On va tirer chacun notre tour. Ils ont tiré en A2. Ils ont tiré là, y'a rien. T'as nous tiré? Oui. Ouais, tu peux le faire. Moi, j'ai tiré en C3. Ça n'a pas marché. Non plus, ça n'a pas marché. Il a tiré en C1, ça n'a pas touché. T'avais parlé des angles. Est-ce que c'est pas une bonne idée, les angles? L'angle lui-même, je vais pas tirer dans l'angle, mais ils ont tiré dans l'angle. Donc je pense que ça veut peut-être dire qu'ils en ont un dans l'angle. Exactement. Je vais tirer en H1, ça te va? Allez, go. Oh, masterclass. Ils ont quitté. Ils ont. Putain, on a tapé deux dans le bateau. On est en train de les enculer là. Nous, ils ont pas touché un bateau à nous.
Oh là 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 là, bien joué. On a coulé un de leurs bateaux, mais ils nous ont pas coulé. Ouais, les gars. Oh ouais. Putain, merde, ça a touché les frères. Waouh, il a vraiment tiré dans l'angle. Il a tapé l'angle. Moi, je taperai à 6. Je le sens bien. Ah, A7, ouais. A7, A7. Oh merde. B9, ça me bat aussi. Putain, merde, ils ont coulé notre torpilleur. Ils ont coulé notre torpilleur. Oh, bien vu. Oh, bien joué. Ouais, c'est aussi, vertical. Vas-y. Et jusqu'au C10. Oui. Oh là 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 là, bien joué. Let's go, les gars. Bravo. Non, oui, voilà. Allez hop, ça dégage, bien joué. Ok, c'était un bateau de 2. Ok, bien joué. Il en manque 2 okay, du coup. Il reste que les bateaux grands. Ciao les gars. Oh, y'a. Bon courage. Aïe. Il reste que Axel là sur le bateau. C'est Axel qui, ah, c'est Axel qui choisit maintenant. Vas-y Axel. Axel, ouais, on aurait dû se répartir les bateaux, on est con. Ouais, ouais, bah, ouais, on avait pas compris ce truc là. Axel. Une ligne ou une colonne où y'a pas de tir. Tout moment Axel. Allez, tac. Bien joué Axel, let's go. Souviens-toi quand t'as sucé le maréchal pétant. En D, Axel, oui. En D, je pense, ça peut être en D. Je l'ai eu. Ah bon? Oh oui, GG. Allez Axel, lâche rien. Axel, oui. Axel, ouais, mais ils ont trouvé son bateau. Sauf qu'ils ont trouvé le bateau d'Axel, on va canner. Non, c'est pas le bateau d'Axel. Ah ouais? Axel, il est dans l'autre bateau, je crois. Je crois qu'Axel, il est dans l'autre bateau. Axel, t'as tombé. C'est bon, il est encore là, il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Bateau 4 ou bateau 5, Axel? Putain, si clutch, c'est historique, si clutch, Axel. Tu peux solo carry, Axel. Allez, Axel. Solo carry, mon frère. Allez, Axel. Oh non. Oh non. On est mort. C'est la merde. On est dans la merde. Oh non. Là, c'est pas merde. C'est mort. Vas-y Axel. Putain, c'est trop mal. Les angles. Ils sont quand même coulés. Ouais, c'est vrai. Oh, okay. Dommage. GG, en vrai, on a très bien joué, c'est un jeu de chance, hein. On pouvait rien faire. Pour avoir réussi cette épreuve, et donc la production ici présente est prête à vous construire deux de vos édifices de votre choix dans votre camp gratuitement. Maintenant, vous avez le droit de retourner. Allez, on retourne à la plage, on fait un petit débrief, l'équipe. On a un sujet de fou là, pour la personne de Mathieu. Ouais, avant qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, on prend ses infos, c'est le dernier arrivé, il nous a fait des misères, je vois pas pourquoi on le défend. Bah oui, on prend les infos et on l'élimine. Moi, je suis pas totalement contre après. Logique. Hein. Au moins, ça nous fait une nuit de plus tous ensemble quoi. Bah oui, on est là depuis le début. Il nous a fait depuis le début. On est là depuis le début tous ensemble, il a plus aucun pouvoir sur la prod. On a pas vraiment besoin de lui, on est rodé. Ouais, c'est pas faux. On part sur ça, on se le dit tous là. Comme ça, on gagne une journée de plus tous ensemble. Exactement. Bah ouais, je suis plutôt d'accord. Personne ne change de... Ils vont virer Ami le premier soir. J'ai le seum de voter pour lui, mes frères. En vrai, si on joue vraiment le roleplay, c'est le plus logique, quoi. Mais les gars, j'ai l'impression d'en explorer toute l'île, en vrai. Je sais pas du tout où peut être le code, hein. Y a des bruits chelous, les gars, sur l'île. Les gars, vous voyez le bruit que j'entends? Je suis sûr que c'est par rapport au bunker. En mode, sous l'île, ça se trouve, y a des monstres. C'est mon pronostic, retenez bien. Faudra pas dire que j'étais pas au courant. Sous l'île, ils ont ouvert un portail où il y a des monstres qui sortent. Ouais, Vince, putain, je vous cherchais. T'es là où? Ouais, je vous cherchais, putain. Nana, elle a trouvé un truc. Eh, y a un truc là-bas, non? Y a pas un mec C'est Mathieu et Nana, c'est un coffre avec il faut une clé. Ah ouais? Tu veux qu'on aille voir? Bien vu, on va voir. Et si j'essaie de lui casser la gueule avec la pioche? Il faut une vieille clé. Écoutez-moi, j'ai des infos. En gros, de l'autre côté, ils avaient aussi trouvé un coffre avec... ils avaient trouvé aussi une sorte de boîte de congélation où il fallait une clé. Et Jax, il avait la clé, sauf qu'il s'est fait éliminer avec... Mais il l'a trouvé comment, la clé? Tu sais comment il l'avait trouvé? Il l'a trouvé sur l'île, il l'a cherché. What the fuck? Mais l'île est trop grande. Ouais, mais on peut pas, il fait froid et tout. À ce qui paraît, les amis, il y a quelqu'un qui a trouvé des radiocommandes. Est-ce que c'est vrai, cette info? Oui, j'en ai une dans ma poche. T'en as qu'une? Dessus ou pas? Ouais, il y en a qu'une. Il y en a pas deux. C'est Axel qui l'a trouvé. Attends. Alors, il y a une fréquence. Ça se trouve, la fréquence, c'est le code. Hein. Attends, mais tu dis pas des conneries, Vince. Je l'ai, la fréquence, je l'ai, moi. La fréquence, c'est 112,10. Attends, mais tu sors ça d'où, toi? Ça, c'est énergie, ça. On l'a trouvé dans les tonneaux, là-bas. 112. On a trouvé un autre truc. On essaye au bunker. 112,10, tu penses que c'est le code du bunker? Non. Je sais pas, c'était quelque chose. Mais bon Dieu, mais écoutez-moi, fermez vos cœurs un peu. J'ai trouvé un papier où c'est écrit, Tom, la fréquence radio pour communiquer et UGC, l'oublie pas cette fois. Mais Tom, c'est le producteur. Je ne sais pas, moi, Tom. Ça doit être l'aventurier. Les gars, j'ai peut-être une idée. Peut-être que UGC, ça correspond à... U, c'est pour la place dans l'alphabet. G, c'est 7. C, oui, c, les lettres. Ah. Ouais, c'est possible. J'ai trouvé une carte de l'île. Hein? Et j'ai pas trouvé que ça. J'ai trouvé une carte de toutes les îles avec des croix où on peut trouver des trésors. Attends, quoi?
Tu te fous de ma gueule encore? Mais non, mais c'est... Mais non, c'était pas un bruit de... Non, il y a eu un bruit, genre... Ok, c'est bon. J'ai capté ta carte, Nana. 21.73. Non, mais attends, mais écoute-moi, je l'ai capté, la carte. En fait, il y a l'île des Rouges, ouais. L'île des Jaunes. La carte aussi, bon. Et ouais. Regarde, Ous, ouais. La croix noire, c'est le bunker. Ouais, c'est le bunker, si, ouais, je sais. Donc, on a aussi le bunker... De l'autre île. Est-ce que ce serait pas un passage pour se rejoindre? Mais les gars, ben les gars... ouais, ça doit relier les deux îles. Oh. J'entends. Il y a quelqu'un qui nous parle. Vous m'entendez ou pas? C'est le représentant de Caio Perico. C'est quoi ça? Que je change de fréquence? On n'entend pas nous, hein. Il a dit si. Ok, bah je vais changer de fréquence, monsieur. Désolé. Pierre, c'est pas la bonne fréquence que tu m'as donnée. On est tombé sur des bandits, pardon. Apparemment. Merde. Des bandits, mais je vous pose la carte. Ok, venez tous au bunker. Venez, on y va tous. Tous au bunker. Venez, on y va tous au bunker. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donnez fréquence, c'est pas plus de 4 chiffres. C'est 4 chiffres. C'était quoi la fréquence qu'elle avait? C'était 112.1. Je crois que ça marche pas, j'ai essayé aussi. Putain, ça marche pas. Et... Je pense qu'il nous manque un truc sur l'île, on est bloqué là. J'endors plus la nuit. Là, sur l'île, là, il y a un tag, non? Tu vois. Ah ouais, putain. Un tag, non? AF. T'as vu? Et on dirait qu'il y a un 1 aussi. Peut-être le code c'est AF ou 1AF. Viens, on s'approche un peu. What the fuck? Je suis pas fou, c'est pas moi qui a des hallucinations là. Attends, mais tu penses on peut aller dans l'eau et on va là-bas? Non. J'ai essayé et j'ai failli crever. J'ai fait un malaise. Gros, il y a une autre île comme ça sur la carte de Nana. Ça se trouve, faut prendre cette île. Et une autre, et ça va nous donner AF, par exemple C3. Ben ouais, c'est sûr, ça va donner un truc à 4 chiffres. Donc on retient AF. Et toi le chef du camp? Ouais. C'est quoi l'humeur en ce moment là dans le camp là? C'est parce que votre groupe d'hypocrites là... Non écoute, on votera pas pour toi ce soir. Quoi, vous avez déjà décidé de quelqu'un? Ouais, hier on a déjà décidé. C'est qui? Il y a un duo, il est trop dangereux, ils sont tout le temps ensemble. Je crois que c'est Jacques, et putain j'ai plus son blaze. Vous connaissez même pas? Mais c'est pas possible. Bref, je vais te les montrer. Ces deux man, ils sont tout le temps ensemble, mais j'ai pas trop traîné avec eux, j'ai traîné de temps en temps, mais... Et en fait, comme ils sont tout le temps ensemble, ça fait tout le temps deux votes, c'est trop dangereux. Je vous suis, vous me dites et je vous... Moi, je te ferai un chuchotement devant l'urne, 5 minutes avant qu'on vote, je te dirai le blaze qu'il faut mettre. Viens, rentre, sinon ça va être suspect, là. Vas-y, j'essaye d'imiter un fermier, ok, mais je suis pas très bon. Vas-y. Bah alors, les amis, comment ça va bien? Je suis FMI, c'est moi, c'est vite. Ok, non, là, c'est juste raciste, mais c'est pas grave. Ah merde. Et toi, vas-y, à ton tour. Ok, tu veux que j'imite un fermier, le comble, vas-y. Pour un fermier? Vas-y, c'est... T'es prêt? 1, 2, 3. Bah y'a rien là. Bah oui, je me la ferme. Oh putain, je vais chercher la carte tout seul. Je me casse. Oh, reviens, elle était derrière la vanne. Yes. Nous, au nom de toute la production, nous tenons à vous féliciter. Sachez que nous avons été attendus, l'équipe jaune, pendant au moins 25 minutes. Rien d'étonnant. Et nous félicitons aussi votre organisation et votre façon de gérer votre camp. Vous êtes des vrais survivants à nos yeux. Suceur. Non. Bon, alors hein? Ça, je l'aurais pas tenté. J'ai cru entendre quelque chose, mais on va dire que c'était juste un papillon qui passait. Non, moi je suis d'avis d'éliminer de l'épreuve c'est la personne qui s'est manifestée. Qui a dit ça? Je crois que c'est Pierre. Non, oh la poucave! Mais la balance! Oh non, mais la balance! On a gardé le silence! J'ai éternué! Une personne va être éliminée à l'épreuve d'immunité, vous pouvez choisir entre la personne qui nous a insulté ou la personne qui l'a poucave. Quoi? Oh les bâtards. Pardon? C'est vrai? Oui? C'est pas vrai. C'est une blague? Oh, non, c'est pas une blague, il y a une personne qui ne pourra pas participer à l'épreuve d'immunité et je vous laisse le choix entre la personne qui a insulté. La production et la personne qui a voulu le balancer. J'ai éternué bizarrement. Bon bah, Patoche et Pierre, à vous de jouer, hein. Je m'excuse. Non, mais on va se faire un combat. Petit combat. Oh, un combat. Combat. Ah, ça, nos spectateurs vont adorer. Ah oui, quand vous voulez. Aïe. Ouais, allez, le combat d'alcool. Le combat de fou. Vous faites du shadow boxing là, les mecs. Pierre, il attaque à distance, il a un rapid fire. Ils sont bourrés. On a une épreuve à jouer. On arrête le combat, on arrête le combat, on arrête cette mascara. Oh, ça y est. Oh là! Pierre a gagné! Ouf! C'est bon, Pierre, il a la méta! Pierre, Oula! Oh l'enchaînement! Pierre, utilise ton passif! On arrête, du coup, qui gagne? Pour avoir offert un beau combat à nos téléspectateurs, vous avez le droit de participer. Alors, on vous explique le principe de l'épreuve. Vous allez tous commencer devant une table. Vous allez la revendiquer. Ok. Puis après, vous allez là-bas, sur la table, aller chercher votre panier. Ok. Tu veux retourner chacun devant votre table où c'est revendiqué. 3, 2, 1, début de l'épreuve. Vous courez en haut de l'arbre, il y a des œufs à récupérer. Celui qui ramène le plus d'œufs a gagné l'épreuve d'immunité. La personne qui gagne le trophée d'immunité aura aussi un nouveau pouvoir. Cette fois-ci, il sera en mesure de départager les votes finaux en cas d'égalité. Ouh. Oh ouais, c'est le maire du village en fait. Ok. Hein? Mon baiser. Bonne chance. Wesh. Pourquoi on peut pas monter? Pourquoi on peut pas monter, wesh?
What the fuck? Attends, pourquoi je tombe? Mais pourquoi je tombe? Je pense les épreuves Koh Lanta, c'est pas pour moi, les frères. Je crois y a pas une épreuve où j'ai été bon. Doucement, doucement, faites attention. Ah si je tombe, il pète. Faites attention, doucement. Oh, pardon. Putain, Axel! T'as fait tomber mes œufs! La charge des leux était trop lourde, vous avez trébuché. Mais c'est quoi ce bordel, frère? Je vais péter un plomb. Est-ce que je cours? Ok, je peux y aller en courant. Et pourquoi je tombais tout à l'heure alors avec les œufs? What the fuck? J'ai l'impression que c'est aléatoire de fou. Il y en a un qui me fait tomber, je pète un câble, il y en a un qui me fait tomber. Ok, parfait. Vite, je dépose mes œufs. Ok, parfait, faut remonter maintenant. En vrai, je pense que je suis pas si mal là. Ok, parfait. J'ai 6 œufs. Je pense que les autres ont 6 œufs aussi. Ils ont 6 œufs, ils ont tous 6 œufs. Pourrait pas gagner l'épreuve, je pense, les gars. Monsieur Savage, 6 œufs. Égalité avec monsieur Mathieu. Et monsieur Pastel, 6 œufs également. Ah, mais tout le monde a 6 œufs, les gars. Ousmane Dembélé. Tout le monde a 6 œufs là? Tout le monde a 6 œufs? Non, que on est 4 à avoir. Les autres, ils ont 0? Les 4 qui ont les 6 œufs, ouais. Qui s'avancent. Oh, let's go! Putain, mais on a pas été nuls, les gars! Let's go, moi aussi, j'y croyais pas! Attendez, par contre, je récupère les personnes sur le dernier, j'aurais été à 9. Les gars, vous m'insultez tout le temps, mais au final, regardez. Son nom, c'est Nana. Alors respecte-la. Voilà. Ouais, c'est Nana avec un grand S. C'est ma Nana. Avec tout le respect, est-ce que tu peux décarrer ton gros cul avec les autres perdants? Il a pas tort. Décarre ton gros cul. Ouais, d'accord, j'ai compris. Je vais y aller. Bon, et ben vous l'aurez compris, il y aura un deuxième round pour vous départager. Merci, le Olivier. Deuxième round, c'est l'œuf d'or, c'est-à-dire que c'est le premier qui arrive à rapporter au moins un œuf. Il va tomber, enfoiré, il va tomber. Vince, fais-le tomber, Vince. Fais-le tomber. Mais j'essaye, mais sur le retour, sur le retour, faut le faire tomber. Fais-le tomber, toi. Faites-le tomber, faites-le tomber, faites-le tomber, faites-le tomber. J'ai essayé, mais il est passé. C'est mort, on est mort. C'est mort, c'est mort. Il est tombé ! Il est tombé ? Non ! Salut toi ! Non, mais d'où je suis tombé ? En quelle année je suis tombé, frère ? Pas tomber où, c'est fini de toute façon. Putain. Oh non, j'avais gagné. D'où je suis tombé, frère? Putain, il a gagné. T'as dit quoi? Bah c'est un peu grâce à toi que j'ai gagné, puisque t'as fait tomber le premier. Bah oui, frère, et je t'ai pas fait tomber. C'était moi. What's the color? Red. What's the color? Red. I said what's the color? Red. L'équipe. Bon, on part sur Richard? Moi j'avoue, ouais, Richard, ça m'embête parce que moi je l'aime bien. Ouais, mais Pierre, va falloir faire un choix de toute façon là. Ouais, la personne que j'ai avec qui j'ai moins parlé, Mathieu, c'était pas lui, mais. Oui. Tout à l'heure, t'étais en train de discuter avec les autres et je vous ai entendu parler d'élimination. Vous partez sur qui? Avec qui j'ai parlé? Avec. Viens, Axel, on parle des éliminations. Apparemment, on m'a dit que ça me ciblait, c'est tout. Bah non. Attendez, venez, on va un peu dans la forêt. Bah si, Nana, dis la vérité. Si. Attends, venez. Venez. Bon, de base, on allait te voter toi, parce que dernier arrivé, premier sorti. C'est le truc, quand tu parlais à la production, c'est ce qu'on a décidé. Sauf qu'on est revenu sur notre parole, bien conseillé par Nana, on a bien discuté. Et on s'est dit qu'on voulait éliminer un des duos, tu sais, entre Jacques et Richard, un des deux. Voilà. Ok, mais moi, Jacques et Richard, Richard surtout, est venu me voir et m'a dit que vous vouliez m'éteindre. Oui, c'est ce qu'on voulait faire au début. Là, et c'est pas le cas. Et m'a dit que t'es un sacré manipulateur. Moi, ouais. Bah de toute façon, j'ai envie de te dire, tout le monde va s'insulter de manipulateur, c'est pas ça qui va me vexer. De toute façon, hier, on avait déjà prononcé l'ordre de nom, c'est juste que comme toi t'es venu, ça a un peu chamboulé le truc. Après, c'est comme vous voulez, soit on élimine quelqu'un qui fait pas le taf sur les épreuves, et ça, à nous de se décider. Soit on élimine des gens dangereux qui, moins on va être, plus les alliances vont être dangereuses, et les alliances qui se dessoudent pas, elles sont vraiment très dangereuses. Et je sais que les deux, ils sont tout le temps ensemble, ils font leur vie tout le temps ensemble, ça se trouve, ils connaissent des codes, ils connaissent des trucs, mais ils garderont que pour les deux. Moi, je pense que c'est trop dangereux. Moi, je me fais pas retourner le cerveau. Pierre, tu me retourneras pas le cerveau. Moi, je voterai pour un des deux. Après, vous faites ce que vous voulez. J'ai une question, vous donnez votre avis sincère, ok, tous. Si là, on se dit, on en parle plus, on va au vote, chacun vote ce qu'il veut. Est-ce que vous acceptez ou pas tous? Ouais, moi, j'ai assez parlé, vous faites comme vous voulez, je vais pas insister. C'est possible, Pierre, mais je veux dire, est-ce que ce serait. Je dis pas qu'on va le faire, je dis juste, est-ce que ça vous irait, en théorie? Bah ouais. Parce que là, c'est soit ça, soit on prend tous du doigt quelqu'un dans 3 secondes et. Je sais très bien que ça va pas être respecté. Il y aura forcément des clans qui vont se créer, qui vont se mettre. Bah pareil, je suis d'accord avec. On doit voter maintenant là. Oui, il faut aller voter. Bah chacun vote ce qu'il veut et puis voilà, force. Tu vois qui, Richard? Putain, ça me casse les couilles, Richard. Oh, ouais, ok, attends.
Axel, c'est le goat de cette génération, Axel. Axel, il est venu en mode Zarma, il était discret. Ousmane, t'as toujours le même avis ou pas en tête? Ouais. Tu vas pas bouger. Moi, c'est Richard. La vérité, si je change, tu m'en voudrais ou pas? Non, fais ce que tu veux, frère. On s'en veut pas, on se le promet? Non, on s'en veut pas. Axel, il est venu Zarma en mode discret. Malveillance, Max. Nous allons donc procéder au vote avec le premier bulletin, Mathieu. Quelle surprise, tout le monde est choqué. Oh là 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 là. Vous allez voir ce que ça fait de se faire éliminer dès le premier soir, hein? C'est pas très rigolo. Le deuxième vote pour... Mathieu. Oh, qui putain. Est sur le point d'être éjecté de sa propre mission, non, c'est magnifique. Et le quatrième, pas de suspense, Mathieu. Richard. Alors je peux pas éliminer. Peut-être que 4 votes pour Mathieu, un vote pour Richard et un deuxième vote pour Richard. Attention, rien n'est joué. Rien n'est joué pour le moment. Et c'est le cinquième vote. Pour Monsieur Mathieu. Pour Monsieur Mathieu. Attention, un sixième vote et vous serez éliminé de la compétition. Richard, Mathieu. Nous sommes donc à 5 votes contre Mathieu pour 4 votes contre Richard. Et nous sommes face à une égalité. 5 votes pour Mathieu, 5... Ah non, pardonnez-moi. Nous sommes au sixième vote pour Mathieu. Je peux pas me faire ça, la clim. Élimination de Mathieu. Regrettable. Mathieu. 6 votes contre Mathieu, 5 votes contre Richard. Allez, nous laissons monsieur Mathieu aller chercher une torche. Mec, c'est à cause de Vince. Avez-vous quelque chose à dire avant que nous éteignions votre flambeau? Non, je l'ai un peu senti avant de partir. Les rouges sont un groupe très très manipulateur. Ils font croire qu'ils sont tous amis, mais se crachent tous dessus les uns les autres. Tiens. Je tiens à remercier Ousmane pour son accueil. Avec plaisir. T'as aucun moment que tu aies voté pour moi. Je pense que t'as pas voté pour moi et que tu blaguais sur la plage. Totalement, frérot. Moi, tu peux me faire confiance. Je vous ai senti sincère et vous êtes des vipères. Je suis désolé pour cet accueil de merde. Je suis désolé. Chiara et Vince, j'ai jamais vu des serpents comme vous. Bah voyons. Vince, tu te prends pour le chef. C'est faux. Tu te prends pour un dirigeant. C'est faux. Mais sache que t'es sur la sellette, personne t'apprécie sur le village. C'est pas grave, je partirai la seule raison pour laquelle t'es ici. La seule raison pour laquelle t'es ici, c'est déjà, il y a deux raisons. La première, c'est parce que t'es un fils de pute. Et la deuxième, c'est parce que t'as gagné l'étoile d'immunité. Tu me feras le café. Tu me feras le café quand j'arrive demain. J'ai quitté l'île. Je connais l'adresse de ta mère. Je vais l'éteindre. En attendant, ce qui va être éteint ici, ce n'est pas sa mère. C'est votre flambeau que nous allons éteindre. Allez, casse ta mère. Vous êtes éliminé de l'aventure. Putain, il s'est fait éliminer de son propre jeu. C'est regrettable pour notre cher Mathieu que nous apprécions tous. Hein. Il s'est fait virer de son propre jeu. Non, mais c'est dingue. Mais du coup, on continue ou on continue pas? Premier degré, on continue ou pas? Bah oui, on continue, trou de balle. Venez, on se pose tous au camp avant de tous aller dormir, et histoire qu'on parle. Allez. Moi, je pense que je suis concerné pour pouvoir prendre la parole, puisque j'allais dégager ce soir. Dans tous les cas, moi, c'est comme hier, il faut trouver un prétexte pour virer quelqu'un, et actuellement sur le camp, il y a une personne qui est complètement inutile, qui attend, qui sert absolument à rien, donc il faut trouver une raison. Hier, c'est parce qu'il y a l'un d'entre nous qui s'est fait chiquer par un ours. Aujourd'hui, c'est parce que, voilà, vous nous considérez un peu comme un duo, et a priori, même si vous n'avez rien qui témoigne de qu'on pourrait vous cacher quelque chose ou quoi, vous vous dites, ok, il faut trouver un prétexte, donc on vise le duo et on prend celui-ci. Je l'entends. Maintenant, en ce qui concerne nous deux, on est au même titre avec tout le monde. Je veux dire, chacun d'entre vous, vous êtes tous des duos et des trios. Le truc, c'est que, à mon avis, à partir de maintenant, il y a beaucoup trop dans ce groupe de gens qui se laissent porter par des personnes qui veulent être influentes au sein du groupe, mais influentes dans le sens leader, qui veulent se porter en égérie du groupe pour assurer leur place pour ne pas qu'ils soient votés pendant les votes, parce qu'on n'élimine pas un leader. Et tant qu'il y aura des gens qui suivront le vent, il y aura des girouettes, on se retrouvera dans des situations où il y a trop de messes basses, où chacun est en train de s'éclater en petits groupes pour on fait ci, on fait ça, et ça créera une ambiance de merde. Je pense que soit maintenant on se décide de se dire la
personne qui doit être éliminée, puisque dans tous les cas, il faudrait éliminer quelqu'un. Il faut que ce soit un truc de raison. Ou alors, dans ce cas-là, on continue les baisses basses, on continue les gens qui essaient de prendre le lead pour pas qu'on vote pour eux de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et le groupe, il y aura une scission dans tous les cas. Ça va se faire Max, regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'on se dit pour pouvoir arranger ça? Vous proposez quoi, vous? Bah, j'ai dit un truc logique. Okay. Un truc donc, ça veut dire qu'on n'attend pas 10 minutes avant le vote pour se mettre chacun dans un groupe. Alors, on va tous autour de cette table et on se met d'accord. Alors, c'est ça? On se réunit tous autour de la table. Ça marche pas. Et on dit qui a été le plus nul, qui a fait le moins de trucs, et on se met tous d'accord, c'est ça? On décide du vote ensemble. Mais pensez bien un truc, c'est que si là on est tous d'accord sur ça, et qu'on se dit ok, pensez bien que dès demain, votre pote ou quelqu'un qui vous approche pour dire hey, on vote pour ça, il fera partie de celui qui va vous planter un couteau dans le dos parce qu'il respecte pas le truc qu'on s'est tous mis d'accord. On le balance. Je pense qu'on y réfléchit un petit peu, on en parle demain. Demain, on prend la nuit pour se reposer. Ok. Et ben les gars, il veut se protéger. Bonne nuit tout le monde. Passez une bonne nuit. Faut que je parle à Nana tout seul, faut qu'il se barre bien. Bon bah, bonne nuit. Bonne nuit les frères. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Reposez-vous bien. Ouais, vous aussi. Bah attendez, mais putain, c'est gênant, c'est comme quand on dit au revoir à quelqu'un, on prend le même chemin. Eh Nana, tu veux pas dormir avec moi? Viens. Tu me racontes une histoire ou pas? Ok, ouais. Viens, je te raconte une histoire. Au pire, venez, on dort tous les trois. Ah, oh. Non, pourquoi il nique mon cou? Les trucs à trois, c'est pas trop mon deal. Moi, j'aime pas croiser le fer. Ouais, j'aime pas. Tu parles de trucs genre sexy, quoi? Ils sont tous partis. Faut que j'arrive à parler à Nana en 2-2. C'est dur à dire. Vous avez remarqué d'un point de vue extérieur des gens qui peuvent être vraiment dangereux? Écoute, vous voulez que je vous dise un truc? Moi, j'ai un call depuis 48 heures que j'ai tenu, ouais. Nana aussi, et il y en a qu'un qui a fait la girouette au dernier moment. Moi, j'aime pas. Voilà, c'est tout. Nana, c'est de qui je parle. Mm-hmm. Et moi, ça m'a déçu. Moi, ça m'a déçu, c'est tout. Et je pense qu'il a fait ça parce qu'il avait l'étoile d'immunité, sinon il aurait jamais osé faire ça. Bon, allez, venez là, on va se coucher. De toute façon, on est à chaud. Vas-y, bon, allez, bonne nuit, bonne nuit. On aura bien dormi et demain, on aura le temps de voir les choses plus claires. Juste, tu peux dire un truc, Nana? Ouais, vas-y, dis-moi. Et toi, frère, arrête de pécho Nana, frère, ok? C'est ma pote, je la connais depuis grave longtemps, elle a déjà un mec, ok? C'est une amie. Allez, faut qu'on aille dormir, ouais. Tu me diras demain, regarde. Regarde ce que tu veux me dire. Tu me diras demain. Il veut la pécho, ce bâtard. Demain. En cuir comme ça, c'est trop bien. Putain, la déco. Comment je suis à l'aise là. Écoute, j'ai réfléchi toute la nuit, je sais comment ouvrir le bunker. Ah, c'est bon, t'as enfin utilisé ton cerveau, Georges. Autant faire une réunion et qu'on se mette tous pour... Quoi? Tu trouves que je suis pas assez utile? Non, je rigole, Nana, je te taquine, hein, tu sais. Qui aime bien? Non, t'es un qui aime bien, chatouille bien. C'est pour ta donnette. Tu es une putain d'aventurière, ok? Bah oui, bah je sais que t'es une putain d'aventurière, je sais. Je te taquine, ma chérie. Vas-y, merci. Ok, mon bébé. Bon, quoi? Non, rien, je sais pas. Ok. Bon, alors raconte, c'est comment que t'ouvres le bunker? Ok, je t'explique. Vas-y. Tu vois, hier, on a trouvé un rocher avec la lettre AF. Ouais. AF, si on doit les transformer en chiffres, ça fait 1-6, on est d'accord? Ouais. À mon avis, je pense que sur l'autre île, ils ont le même rocher. Et moi, la carte, j'ai la position du rocher. Donc, si on prend leurs lettres et nos lettres, ça fait un code à 4 chiffres, et c'est l'entrée du bunker. Putain, mais t'es trop intelligente. Nana, ça fait depuis 48 heures qu'on sait que c'est ça la solution. On voulait ta carte pour pouvoir chercher l'autre île, en fait. Mais pourquoi personne n'est venu me voir? Bah si, je suis venu te voir. Tu l'avais donné à Mathieu. Je t'ai dit, elle est où ta carte? Tu te rappelles? Non, mais t'es sérieux, là? Oh, le cul d'huître. C'est quoi, je boude? Mais non, boude pas. Cuit d'huître, t'as osé me dire. Sache que je suis la reine des putes. Wesh, c'était gratuit de fou, ça! Écoute-moi, Ousmane. Ouais. Il va falloir être bon ce soir. Ouais. Sinon, on est dans la merde, mais j'ai peut-être un plan. Oh, tu sais, Axel, quand tu prends les devants comme ça, j'éprouve un truc pour toi plus que de l'amitié. Je le dis. Comment ça? Non, t'inquiète. Bon, alors explique-moi, Axel. Attends, il y a Nana qui arrive, attends. Oui, elle aussi, je voulais lui parler. Ah, bon, bah parfait. Écoute, on est dans la merde, il va falloir prendre les devants. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a dit, Richard, hier, autour de la table? Parce que moi, j'ai peur de tout ça. Écoutez, moi, je pars sur le principe qu'on était 12 au départ. Et avant la réunification, à mon avis, ça sera qu'on sera à la moitié. Donc 6. Là, actuellement, on est 10, vous voyez. Donc, il faut qu'on ait au moins 6 dans notre alliance. Moi, je vous fais confiance totalement. Bah, nous, déjà, je sais que vous avez toujours respecté le pacte. Est-ce que, Nana, tu penses qu'on peut te faire... Il y a des gens qui font la girouette, ça, j'aime pas. T'as raison, Axel. On a toujours pu se parler. Violet. Je trouve... Violet. Quoi? Il est violet. De qui est violet? Non, rien, attends. Non, c'est... Vas-y, continue. Ah, elle est violet. J'ai pas regardé. C'est la culotte qui m'a regardé. Pas moi. Mais papy, c'est la culotte qui m'a regardé, chef. Oh, j'ai rien demandé, je suis pas comme ça. Il est malade. Enfin, bref. Il est malade. En fait, là, le problème, c'est que Vince, il a beaucoup de monde autour de lui. Ok, écoutez-moi, j'ai une strat. Au pire, on prend les deux, là, Richard et son pote. On prend Pierre, on est 6, et on vote tous Vince. Voilà, hop, comme ça, c'est dit. Ouais, voilà.
Nous, bon, on a des fraises, de la papaye. Je t'ai demandé ce que t'avais. Non, je m'en bats les couilles. Écoutez, c'est pas sympa ça. Et vous allez parler de ma mère Delphine en plus ? Jamais parler de votre daronne. Voilà, hein ? Non, mais pendant qu'on y est, hein ? Pendant qu'on y est. Tout le monde parle de Delphine en ce moment. Moi, je m'en... Donc allez-y. Alors racontez-moi un peu plus sur Delphine. C'est ma maman. Je m'en bats les couilles. Puis... Ok, vous êtes là. Monsieur ? Il va bien, monsieur Mathieu ? Mathieu ? Oui, il est rentré chez lui. Moi, j'aime bien l'équilibre. Équilibre à droite et tir à gauche. Je pense que tout le monde peut aller à l'équilibre. Il vous en a fait voir toutes les couleurs, celui-là. Moi, je l'aimais bien. Je suis tireux. Il y a des échelles. Vous pouvez en compter, il y a 6 échelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Ouais. Vous allez choisir 6 joueurs qui vont monter sur les échelles et qui vont rester là où ils sont, au niveau de l'échelle, d'accord ? À part la première. Cette première échelle-là, il n'y a personne qui monte. Le joueur qui est dans le cercle de pierre. Donc je vais vous montrer, suivez-moi. Le joueur qui est ici, 1, 2, 3, go, il court, il monte sur l'échelle et il va donner un bâton de relais à un autre joueur qui sera à la prochaine échelle. Et ainsi de suite, d'accord ? Si vous tombez de votre... Vous redémarrez à l'échelle de la plus laquelle vous êtes monté. Ah. Et je vous conseille de mettre celui qui a le plus d'équilibre à la fin, parce que la fin, comme vous le voyez, c'est un long parcours. Il y a double pouce. Donc si vous avez un petit gifted, un petit génie. Moi, je suis chaud en équilibre, les gars. Je suis chaud en équilibre. Hein. Vous voyez, dans votre camp, il y a des drapeaux jaunes sur deux petites plateformes là, juste en face de moi. Deux petits drapeaux jaunes. C'est les adversaires qui vont venir sur ces plateformes pour jeter. Quand vous êtes pas de mon côté, le chat. Hein. Trois joueurs qui vont aller là-bas de l'autre côté. Vous prenez une petite boule pour ceux qui veulent s'entraîner à tirer. Traversez la ligne de pierre ici. Vous montez sur la plateforme et vous seulement sur la plateforme, d'accord ? Et vous devez abattre l'ennemi. Waouh ! Ouais. Putain, là ça commence par contre. Non ! Il est tombé le trou de balle. Oh, l'équipe de fous que j'ai. Oh non, la honte. C'est même pas... Il était même pas en train de jouer, il est tombé de son truc. Oh, mon équipe de merde. Hein ? Ah mais non, mais il lui jette des boules. Je crois que c'est parce qu'ils lui ont jeté des boules. Raciste ! Raciste ! Raciste de merde ! Bien joué, frérot. Vas-y mon gars. Les gars, c'est impossible. Quand j'arrive à la fin, je peux pas sauter. Bien joué, vous, j'arrive. Tu peux me... Non. Prends-le, nique sa mère. Vas-y, donne-le moi, champion. Non. J'ai triché, nique sa mère. T'avais atteint ici, attention, ils ont fait la même chose, les jaunes. Donc, nique sa mère, on triche. Non, on triche pas, ils ont fait la même chose. Ah, ils ont fait ça. Tiens, prends-le. Il est remonté. Prends-le. Ok, on part en sous-marin, on se fait pas cramer. Non. J'ai parcouru 4 poutres carrément. Mais au calme, j'ai rattrapé le truc. Et quand je suis arrivé, il était plus là, Pierre. Du coup, j'ai donné à l'autre. Mais tu vois, même lui là-bas, Vince, il galère, frère. Fin de l'aventure ce soir. J'aime trop les poutres, j'ai envie de me faire poutrer ce soir. Et quand je vois la poutre comme ça, j'ai envie de me faire poutrer d'une manière. Curie a terminé le relais. Aïe, ça va être dur pour moi là. Ah, ils oui, ont oui, triché oui, en face. Oui, ils ont triché en face. Oui, encore. Ah, quand ils tombaient, ils remontaient pas sur leur échelle. C'est la triche. Non, oh, les tricheurs. Elle va te faire enculer, toi. Dans mon rêve, tu montais les montagnes plus facilement que les échelles. Monsieur François, votre équipe, s'il vous plaît. Pardon. Vous m'entendez, monsieur le présentateur? Oui, je vous entends. Faudrait commencer à arrêter de sucer les jaunes comme ça. Hein. Ils ont fait que tricher tout le long de l'épreuve. Le rouquin. Si vous ne rejoignez pas votre équipe tout de suite, vous n'aurez pas votre récompense. Ça sera donné. Vous avez 5 secondes. Ah non, mais là, c'est comme ça, faut le faire là. Rouquin, je connais toujours pas ton prénom dans le jeu. Dans quoi t'as dit ? J'ai pas entendu. La récompense est attribuée au rouge. On a gagné ! Let's go ! Ils ont trop le seum ! Vous venez de gagner une combinaison de plongée. Let's go !
Ça fait deux jours qu'à chaque fois je menace, faut bien que mes menaces arrivent à concrétisation un jour. Non, non, vous allez rien attacher du tout. Il vous a demandé de vous recroqueviller dans votre ville. Toi qui parles avec les jaunes, tu peux leur donner la fréquence, mais je sais plus laquelle que c'est. Non, mais Bud, il sait. Bud, il est au courant. C'est toi qui as le talkie-walkie ? Entre autres. Ok, est-ce que tu peux te mettre sur la fréquence 112.10 ? On va te passer un appel sur le camp là, quand vous rentrez. Vas-y, carré. Ok, ça marche ? Vas-y, on va te contacter, on va te demander un truc et nous on te dira un truc en retour. Ok. Voilà, ça marche. Vas-y, bon, on verra. Bien vu, ça marche. Tu me reçois ? Oui, je vous reçois. Ah, parfait, ouais, je vous reçois. Je te reçois, frère. C'est quoi ton blaze déjà ? C'est Habib. Ouais, Habib. Vous aussi, vous avez vu qu'il y a un bunker sur votre île ? Ouais, on l'a vu, ouais. Ok, et à côté du bunker, il y a une île avec quelque chose d'inscrit. Ah ouais, il est vers où par rapport à votre île ? Vous l'avez trouvé avec la carte ? Ouais, nous, on l'a trouvé avec la carte. On a trouvé une île où il y a par exemple deux lettres. Nous, pour le coup, c'est AB les lettres. Ah, ok. Et vous avez besoin de nos lettres pour ouvrir le vôtre ? Ouais. Ok, là, on doit faire une réunion d'équipe. Une fois qu'on a fait la réunion d'équipe, je vous le dirai. Merci. Allô ? J'ai fait la moitié. Allô ? Ouais, ok, bah dans combien de temps tu peux nous dire ? Faites votre vie un peu et je vous dis après. Bah là, en fait, on fait pas notre vie là, on est en mode. On est devant l'île là, on est là, tous ensemble. Mon équipe elle fait de la plongée donc c'est compliqué pour moi de les sortir de l'eau quoi. Donc dès qu'ils remontent sur la plage, je leur dis ok. Ok, bon bah on vous attend alors. Les lettres c'est AB, hein, c'est ça que tu dis ? Ouais. Ils ont dit du coup ? Ouais. J'ai fait un test pour voir si on pouvait leur faire confiance, je leur ai dit que c'était AB alors que c'est pas AB. Il m'a dit ok, je vous rappelle. Du coup, soit il me prend pour un teubé. Ouais, soit il va essayer de nous baiser, mais comme je lui ai pas donné le bon code, du coup il va me rappeler. Mais c'est bien, t'as raison. Je les ai baisés, il a voulu me baiser. Il s'est fait baiser. Bah oui, frère, au moins je leur ai donné mauvais code. J'aurais dit AB alors que c'est AF. Non, il t'aurait raccroché au nez avec le bon code. Bah oui, frère. Là, il m'a raccroché au nez, mais il a le mauvais code, ce trou de balle. Frère, ils me rappellent pas depuis tout à l'heure, ces chiens, gros. Après, ça se trouve, ils ont pas trouvé de radio, hein. Si, ils m'ont répondu tout à l'heure. Ils m'ont raccroché au nez quand je leur ai dit le code. Et eux, ils t'ont dit, ah, t'as donné info ? Ouais, j'ai donné info. Ok. Mais ils m'ont raccroché, genre ils nous ont baisé quoi. Ouais, mais bah, ils sont vachement cons, parce que du coup on leur donnera jamais le vrai du coup. Mais du coup là j'étais pas mute quand je disais ça à la radio, c'est-à-dire que là ils entendent nos discussions là. Eh ben, je vous emmerde les jaunes. On vous emmerde les jaunes si vous nous entendez. Ouais, répondez bande de bâtards. Pierre, tu vas passer la nuit là à essayer de craquer le code. Écoute-moi Pierre, si t'arrives à craquer le code, retiens bien, quand je vais me coucher là tout à l'heure, je vais penser à toi et à la fin de l'aventure, je viens chez toi et je te ramène tout ce que tu veux sur un plateau si tu craques le code. Ah bah, j'aurais bien aimé frérot, mais je crois que ça marche pas. Ouh, tu la trouves pas sexy comme ça, Axel aussi, tu la trouves pas sexy. Bon, c'est bon. Frérot, c'est... Elle voulait me pécho si j'avais pas 90 ans. Ah frérot, dans la tenue en latex comme ça mec, je crois même pas 10 secondes. Je fais même pas un 10 secondes patoche. Ous, tu fais du boulot là. Quoi ? Tu fais boulot là. Je fais boulot mais pas très longtemps hein, je mets un coup de marteau, c'est fini. Quoi, ça va ? Bah oui, ça va et vous ? Top, dis top. Faut pas sous-estimer comme ça hein. C'est pas gros quand même. Ça me... Ouais, on va allumer le feu, Axel. On va allumer le feu. Allô, est-ce que vous me recevez de Ouais, tu me reçois recevez-vous. Tu me reçois ça... En effet, je vous reçois. Team Ringo pour Team Kiri, vous m'entendez ? Team Curry pour Team Ringard, vous m'entendez ? Oui, alors du coup, vous avez pu parler avec votre équipe ? Oui, mais par contre, j'ai pas trouvé de lettres. Comment ça, vous avez pas trouvé de lettres ? Aller à l'endroit où vous devez aller. Il y a pas de lettre sur la porte. Non, c'est pas sur la porte qu'il y a une lettre, frérot. C'est sur une petite île à côté. Et on peut pas le louper, genre si on le voit, on peut pas le louper. Non, tu peux pas le louper. Ok, bah je vais repartir regarder et je vais vous dire ce que je vois. Ok, ça marche. Pour l'instant, j'ai vraiment pas trouvé de lettre. Hein. Vous avez ma parole. Vous me prenez pas pour un con. Non, jamais. Même si bon, j'ai pas besoin de le faire. Quoi. Ok. On se rappelle dans après l'épreuve et essayer de trouver les lettres. C'est ce que je vais faire. Ok. L'épreuve d'aujourd'hui, il s'agit d'un concours de bras de fer. Vous voyez les tables ? Il y en a 5. Ouais. Je vais vous donner qui se met contre qui. Les règles sont simples. Dès que vous avez perdu, vous descendez d'une table. Dès que vous avez gagné, vous montez d'une table. La table numéro 1, c'est celle qui se trouve côté mer. Au bout de 20 rounds, celui qui a la table numéro 1 gagne son dernier round. Et le vainqueur. Est-ce bien compris ? Oui. Table numéro 3. Ousmane côté mer, Patrick de notre côté. Oh, poteau. Oh, là 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 là. Table numéro 2. Premier round. Mais c'est... Allez, bim. Mais c'est clutch, comment ? Ça dégage. Elle fait la balle à la main, elle est éliminée. Axel, préparez-vous, vous devez faire votre round, vous l'avez pas fait. Vous êtes au round précédent encore.
J'ai gagné. Bien joué. Let's go. Let's go. Mais mec, faut marteler le clavier, les gars. Vous avez entendu comment j'ai martelé le clavier? Frérot, allez, on change de j'ai table. La technique maintenant. Place, 7ème round. On va faire 10 rounds, on a perdu trop de temps. Ah, bien joué. Les gagnants vont monter, les perdants vont descendre, bien sûr. Mettez-vous en place. Oh, c'était dur. Mettez-vous en place. C'est quoi ce clavier? Mais j'ai pété un câble. J'ai cassé ma touche, frère. Putain. On va faire la finale des perdants. Venez tous. Qui aura un gage? Ah bon, au milieu, vous pouvez plus gagner ou perdre. Je prends le clavier, j'enlève le micro. La finale des perdants, je vais fermer le clavier, regardez bien. Magnifique, nous venons de recevoir un don de 45 000 dollars. Et c'est peut-être une victoire. Bushman, c'est-à-dire une défaite de Kiara qui aura le droit à un gage tout à l'heure. Attention, Kiara. Mais là, on dirait pas qu'il spam. Net avantage pour Jacques, mais Pierre résiste, il résiste, mais il ne résiste pas longtemps. Dembélé. Oui. Je dois vous parler deux secondes. Je vous ai trouvé bien faible pendant le bras de terre. C'est pas faux. Là, j'ai plus de tendons. J'ai tout cassé. J'ai cassé tous mes tendons. Vous voulez que je vous rende plus puissant? Oui, j'aimerais bien. Venez, suivez-moi. Allongez-vous. Faut que je m'allonge? Oui, allonge-toi. Ok. Tu vas recevoir la puissance. Donne-moi la puissance. Accepte ce fluide. C'est le fluide ultime. Tu deviendras plus puissant avec ça. Monsieur, je me suis fait pisser dessus par le mec sous testostérone là, il était juste là-bas dans les buissons. Il m'a pissé dessus? Je vous jure, il m'a dit je vais te donner mon fluide, il m'a pissé dessus. Comment tu peux te laisser pisser dessus? Monsieur, ne rigolez pas, je suis traumatisé, monsieur. Pourquoi te laver? Qu'est-ce qu'il y a là? Le dernier dans l'eau, on l'élimine. Où c'est Axel? J'ai un point de côté. Viens, on vote vraiment pour le dernier des choses. Vas-y. Ils le savent pas, mais là, il y a deux votes pour le dernier. Oui. 3, 2, 1. Arrête avec ton épreuve, Patrick. Oh non, Axel, t'es con. Axel, c'est le dernier à la source. Oh non, Axel, tu prends deux votes. Non, moi, je vote pas Axel. Attends. On a fait ça. On a pas fait tout ça pour ça. Oh, mais attendez, vous êtes pas arrivé dans l'eau. Ah! Patoche, t'es le dernier. Tout le monde vote Patrick. On retourne au camp. Non les gars, non, on va tenter d'ouvrir le pub. Mais je te jure que si on l'interdit pas d'y aller, il va retourner. Hein. On va lui côté, à la cabane. J'ai juré, moi j'en peux plus de ces boomkers, ils me cassent les couilles. Ça fait 3 jours que t'es dessus. Hein. Frérot, moi je sais qu'il y a des mecs qui sont, c'est des girouettes. J'ai dit le blast tout à l'heure. Le mec, c'était qui la girouette? Je l'ai dit. Ouais, d'accord, je crois que je vois. Voilà. On va commencer par un O, t'as dit. Non, un V, j'ai dit. Ah, ok. Un O. Et quoi, je trouve que ça parle trop mal de Victorine alors qu'elle est sympa avec tout ça. Franchement, tout fait pour le camp, c'est horrible. Attends, je remplis ma gourde. Après, depuis le début, on élimine des mecs, mais si on éliminait une petite meuf. En fait, le problème, c'est que si je vote Richard, ils vont tous savoir que c'est à cause de moi. Je sais pas quoi faire, les gars. Si je vote Vince ou Richard. Vince, c'est toutes les immunités. On lui prend aujourd'hui de justesse, mais c'est maintenant ou jamais, limite. Hein. Tu vois, ils sont bien stratégiques. Hein. C'est pas faux qu'ils gagnent souvent. Il est quasiment intouchable. Hein. On a la réunification, c'est tout. Mais toute la merde qu'il a foutue, c'est ça qui me fait chier, moi. Ouais, c'est un argument de taille, oui. De l'autre côté, ils sont tous en train de dire. Enfin, Vince est en train de donner ses instructions. Vous savez bien que c'est un Bah oui, mais dans tous les cas, si on est 6 là, on a gagné. On est en majorité. Bon bah voilà, et bah vous voulez voter qui? Venez, on se met. D'accord. Attends. Si là, un seul d'entre vous fout la merde, ouais, ça sert plus. Non, mais on le sera. Si y a un mec qui fout la merde. Au pire, regardez, on vote tous. J'ai toujours tenu ma parole, pour demander. Non, moi je suis d'accord, Axel. Moi, les gars, on vote tous Vince. Voilà. Et comme ça, s'il y en a un qui vote pas de Vince, on est 6, il y a que nous là. Moi, c'est pas celui que je voulais voter. Moi, je voudrais voter Kiara. Donc moi, je suis le seul qui voudrait voter Kiara. Mais on verra pour la prochaine après, tu vois. Est-ce qu'on peut s'en sortir facilement, même si Pierre vote autre chose? Toi, Patoche, tu veux pas voter Vince, c'est ça? Non, je peux pas voter Vince, malheureusement. Tu peux pas voter Vince, ok. Non, mais là, tu te rends compte que. Bah, Vince est là, il va nous en parler. Voilà. Ouais, moi je pense qu'on vote Kiara, les gars. On part sur Kiara. J'ai entendu les chut, hein, les amis. Vince, ouais. Tu vas voter pour qui? Parler honnêtement. Je sais pas, j'ai pas d'idée pour le moment. Moi, j'imagine ton nom a été évoqué, mais il y a des gens qui voulaient bien et qui voulaient pas. Moi, je voudrais voter Kiara.
Je vous dis la vérité, vous avez entendu le gars de la prod, ce qu'il a dit. Il y a des étoiles sur l'île. J'en ai trouvé une. Et je l'utiliserai quoi qu'il arrive ce soir. Attends, je regarde, c'est une vraie. Je pense que je suis en danger. Tu peux. C'est une vraie. Elle y ressemble vachement. Hein. Tu peux. C'est exactement les mêmes. Elles font la même taille. Attendez, donnez la voix pour que je vérifie de près. Non, je la donnerai à personne. Ok, je comprends. Et je peux pas sortir Richard, frère. Oh, bah du coup, c'est ma... Oh, non, Axel ne me l'a pas demandé. Wesh. Deux secondes, tu peux chausser. J'ai l'impression qu'il bluffe. Il a mais bien sûr qu'il bluffe. Et écoute, Axel, moi j'ai une strat de fou, dis-moi si elle est d'art. Ça se remarque trop. Mais oui, c'est un fils de pute. Écoute, j'ai une strat de fils de pute, mais dis-moi si elle est bien ou pas. Parce que toi, t'es fort. J'ai une strat, on dit à tout le monde de voter Vince qui va bluffer. On dit à tous, ouais les gars, il va bluffer Vince. On dit tout le monde, votez tous Vince, faites-moi confiance. Et nous deux, on vote Richard. Comme ça, si Vince il sort l'étoile, Richard il saute. Et si Vince il sort pas l'étoile, Vince il saute. Mais t'en penses quoi? C'est un coup de maître, hein. Mais c'est un coup de maître, mais il faut que tout le monde vote Vince, sinon c'est mort. Et après, on dira que c'est pas nous qui a mis. Et on dira que c'est pas nous, on jurera que c'est pas nous, frère. On fera genre, on jure. Mais tu penses que c'est une bonne strat ou c'est con de faire ça? Écoute, on n'a pas le choix, pour moi, j'ai l'impression. Frère, on n'a pas le choix, gros, faut virer un des deux, ils sont trop forts là. Ils vont prendre l'ascendant. Ils vont prendre l'ascendant si on vire pas un des deux, gros. Donc soit c'est Vince ou soit c'est Richard. Voilà. Tout le monde, vous pouvez venir, il y a une réunion, les gars. Réunion ici. Je vous dis, j'ai pas appris à les caméras que. Il y a une personne qui s'appelle au nom de Vince qui se permet de mettre une pression psychologique à certains d'entre vous ici. Grâce à un collier d'immunité, un collier de pouvoir, pardon. Ouais, c'est vrai que j'ai bluff, monsieur. Ah, donc c'était pas vrai. Non, bah c'est pour ça, là, je voulais vous le dire. Aïe, truc, c'est que... Non, mais s'il vous plaît, les gars... Laissez-moi parler. Bon, déjà, je crois pas que... Là, de toute façon, je vais sortir, vous avez tous pris votre décision, mais toute la soirée, à chaque fois que je suis venu près de quelqu'un, vous parliez de moi, et puis après, vous changez de discours. Donc forcément, moi, j'étais dans l'optique de juste bluffer quelque chose, ça passe ou ça casse, parce que dans tous les cas, c'est moi. Là, votre décision, c'est normal. Votre décision, elle a l'air rise, d'accord. Moi... Voilà, par défaut, je ferai mon vote. Le et puis tant pis. Con. Mais je vais juste dire quelque chose. Je savais qu'il bluffait. Que... Viens, pénis. Ok, il manque qui j'ai pas dit le mot. Viens, moi. Axel. Axel, t'es undercover, t'as pas le mot. Tu connais le jeu. Je redis les règles. Je vous ai tous dit un mot, sauf à une personne où je lui ai pas dit le mot. Vous allez tous devoir, un par un, dire un mot qui s'approche du mot sans que l'undercover sache c'est quoi le mot que vous dites. Donc ça va commencer. Je vais commencer par exemple à Richard. Il va dire un mot qui s'en éloigne et ainsi de suite, vous dites chacun un mot. Et à la fin du tour, vous allez devoir sélectionner quelqu'un que vous pensez qu'il a pas le mot en fait, qu'il est undercover. Vous êtes prêts? Ouais, c'est allez. Ok, Richard, commence, tu dis un mot. Long. À toi, Karl. Aubergine. Petit. Poilu. Poutre. Veineux. Oh, elle aime ça. Oh là là. Mais toi, bravo, je peux te faire passer. Veineux. Je pense que tout le monde a le mot, même sans. Ouais, je pense que ça y est, hein. Vous êtes trop près, là. Canne à pêche. Anaconda. Attends, t'as dit quoi, Axel? Voiture. Ok, vous devez choisir quelqu'un à éliminer. Comment ça, voiture? Non mais... Axel, on est dit Axel. Mais oui, Axel. Il a rien compris, il y a son nom. J'ai compris, ouais, non. Ok. C'est quoi le mot? En fait, fallait que je joue le jeu. Si j'avais deviné son... Ah. Est-ce que... Attends, Axel, vous votez tous Axel, là? Ouais. Ok, si Axel dit le mot que vous avez, il a gagné. Axel, est-ce que tu penses savoir leur mot? Zgeg, zizi. Non. En vrai, il a gagné. En vrai, il l'a. Non. En vrai, c'est pas le mot, c'est pas le mot. Le vrai mot. En vrai, ouais, normalement... Il a dit voiture, il a dit voiture. Regardez nos votes, comment ils vont être unanimes de fou. Vous allez péter un câble. Non, t'inquiète. Vas-y, mais donne-nous un indice. C'est toi, ça va être incroyable. Je pense que Vince, il va prendre 8 votes d'un coup, genre, regardez bien. Comme vous le savez, Chiara de l'équipe rouge et François de l'équipe jaune ont eu chacun un malus pour avoir perdu les gars, la dernière épreuve. Je rigole si tout le monde a voté pour moi. Tout juste, François. Ça serait tellement la masterclass du siècle. L'épreuve se voit... attribuer un vote à son encontre automatiquement dans l'urne. Donc vous pouvez déjà comptabiliser un vote pour François chez les jaunes et un vote pour Chiara chez les rouges. Voilà, comme ça vous pouvez vous mettre en condition, vous êtes déjà sur la sellette avant même le dépouillement. C'est pas magnifique ça? Ah, quel bonheur. Oh, Chiara. Deux votes pour Chiara. Ah mais c'est Vince, c'est le vote de Vince. Vince, un vote pour Vince. Et cinquième vote pour Vince. Ça s'arrête pas les Vince. Axel. J'ai bien peur.
Mais qu'est-ce qu'Axel il fout là? Qui a voté contre Axel? Qui le con qui a voté Axel? J'ai expliqué à Axel. Sixième vote pour Vince. Malheureusement. Ressortir. On va continuer détonnant jusqu'au bout. Vince, pour le plaisir. Vous avez brisé le suspense. On va aller jusqu'au bout. Kiara, 3 votes pour Kiara. 3 votes pour Kiara. Bon, Vince. Allez, c'est parti. Les rouges, on s'est parlé aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise. Juste un dernier point. Je vous aime tous. Ça a été une aventure exceptionnelle. Allez au bout. Le doigt en l'air. Et pour le doigt en l'air pour Vince. Aventure, sachez que je vous ai caché quelque chose. J'ai trouvé quelque chose sur l'île. Je l'ai caché. Et ce trésor, mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Mais pourquoi il fait le Gold Roger? Je vais les laisser quelque part. Mais pourquoi il se prend pour Gold Roger? Les rouges. Les gars, what's the color? What's the color? Nous avons une déclaration à vous faire, retournez à vos places. La production que papa a rachetée, c'est très beau tout ça, mais il faut qu'on rentre dans le rendement là. Il faut que ce soit attractif pour les spectateurs, il faut que ça rende de l'argent pour nous. Hein. Un investissement, et le problème c'est qu'on a pris énormément de retard à cause de ce monsieur Mathieu qui est complètement incompétent. Il était nul, vous êtes trop, beaucoup trop, ça nous coûte une fortune de vous nourrir. C'est pour cela que ce soir, il y aura un deuxième vote pour une deuxième élimination. Ce soir, le karma qui arrive. Bah, venez, ouais, on se concerte pas. Ouais, vous concertez pas la team. Personne se concerte et. Okay. Oh putain, le suspense de fou. Personne n'a à parler là. En vrai, les gens savent que je vais voter Richard, donc peut-être qu'ils vont tous se mettre d'accord et vont voter Richard. Là, les gars, c'est des vrais votes, ça va être exceptionnel. On est parti pour l'urne rainbow. Premier vote pour les rouges. Attention, Ousmane Dembélé qui est déjà en lice pour être expulsé. Merci Paul pour ta vie. C'est regrettable. Deuxième vote pour Richard. Un pour Ousmane, un pour Richard. Et un pour Kiara. Et un vote pour Kiara. N'oubliez pas qu'en cas d'égalité, c'est le titulaire de l'immunité qui décidera. Deuxième vote pour Kiara. Et Kiara. Troisième vote pour Kiara. Kiara. Quatrième vote pour Kiara. Un deuxième vote pour Ousmane. Regarde-le bien celui-là. Tu sens pas la trahison maintenant? Et maintenant, le deuxième vote, qu'est-ce qui te fait? Toujours rien, toujours aussi rien. Aussi indifférent que le premier. Oh, oh là là là. Deuxième ça vote. Va être chaud. Et cinquième vote pour Kiara. Nous avons bien peur que c'est la fin de l'aventure vu que vous êtes. On est encore là, les frères. On est encore là, les frères. Vous inquiétez pas, le Toki, ils vont le donner. Il y avait bien une seconde radio abandonnée par Mathieu et c'est moi qui l'avais. J'ai écouté tout ce qui se passait, notamment ceux de notre équipe qui oubliaient de couper le micro quand ils parlaient et parlaient surtout contre les autres membres du camp. À votre place, je ferai attention pour la suite de l'aventure à ces petites équipes qui mentent en disant qu'on est tous reliés. Voilà. Kiara, tu pourrais donner des noms, s'il te plaît. Donne des noms. Elle est trop forte. Des noms. Vous savez très bien qu'il y a eu la radio aujourd'hui. Merci pour ce discours. Eh, c'était toi, on est d'accord. De quoi? Le vote. Richard? Ouais. Ouais, c'est moi. C'était toi ou pas? On était deux. T'es sûr? Axel, je t'aime. On dit qu'on a voté. Ouais. Viens là, on fait l'hypocrite, viens tout de suite. Vas-y, vas-y. T'as voté pour moi hier, mais t'as voté pour moi aujourd'hui. Non, j'ai mis Kiara. Pareil. Jure tout de suite. Ok, non, j'ai mis toi. Ouais, voilà. Je sais pas qui est la deuxième personne qui a voté pour moi. Mais par contre, le truc de la deuxième radio, elle a dit non, parce que dans tous les cas, je voulais pas vous baiser, parce que j'ai voté Vince. Parce qu'elle a dit que je parle sur tout le monde, alors que on a tous voté là. Alors que c'est le seul jour où j'ai pas parlé sur tout le monde. Ah, c'est le seul. Ah, peut-être qu'elle parlait d'hier. Elle a dit aujourd'hui. Bon, les gars, mercredi, prochaine soirée, ils vont vouloir me sauter. Hein. C'est sûr de sûr, parce que là, je suis le dernier manipulateur du groupe. Bon, les frérots, est-ce que vous avez kiffé? Je pense qu'on a très bien joué. Là, la stratégie pour le prochain soir, ça sera mercredi prochain, c'est de virer un des deux mecs parce que là c'est les derniers gros manipulateurs hormis moi. Donc là faut que je rallie tout le monde pour que ça vote un des deux. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai surkiffé. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche, le pouce bleu. Et bonne nuit à tous. Prenez soin de vous et on se revoit pour un prochain live mercredi. Des gros bisous tout le monde, vous êtes des cracks. Ciao.